Donc bonsoir à tous. Je vais procéder le plus rapidement possible à l'appel. Donc Carole Fabre-Candebat a donné procuration à Jean-Pierre Godefroy. Serge Jop, Colette Crouzeil, Anissé Kounougous, Josiane Lassus-Piga, Étienne Lourme, Agnès Mestre, Jean-Luc Dupressoir, Georgette Perral, Jean-Pierre Godefroy, Marie-France Taburio a donné procuration à Serge Jop, André Puy, Alice Valera, Pierre Audoubert, Geneviève Fernandez, Françoise Texier, Thierry Arcari, Ben Arat a donné procuration à Anissé Kounougous, Sophie Clément, Florence Ossenac, David Renvazé a donné procuration à Geneviève Fernandez, François Ubeda, David Andrieux, Élise Rimbaud a donné procuration à François Ubeda. Samia El-Marzouki. Sophie Bareille. Béatrice Delpy. Aude Lumeau-Préceptis. Gauthier Givaja. Louis-Antoine Vergniaud. Olivier Artero. Bakta Haraj. Rachida Haraj. Secrétaire de séance, donc Josie, es-tu d'accord pour être notre secrétaire de séance? Donc Josie Lassus-Piga. Donc quelques mots introductifs sur différents petits sujets. Donc sur le sujet de la vaccination. J'ai eu donc le docteur Bourgeois et on est toujours sur 1000 vaccinations semaine. Donc le centre de vaccination fonctionne très bien et le centre d'accueil que nous avons institué à l'espace pour tous, qui permet d'accueillir les gens, de les accompagner dans leurs inscriptions, fonctionne aussi très bien. À l'échelon maintenant métropolitain, donc un vaccinodrome a été installé dans le hall 8 du parc des expositions du Ramier, a été transformé depuis le week-end dernier, donc celui d'il y a 10 jours maintenant, là, du 27 mars. Ce hall 8 a été transformé en vaccinodrome. Donc depuis le 7 avril, avec l'accord du préfet de région, ce vaccinodrome est ouvert toute la semaine, 7 jours sur 7, de 9h à 19h, mais sur rendez-vous. Cela permet d'accélérer la campagne de vaccination sur notre territoire métropolitain avec des rendez-vous quotidiens destinés aux personnes de plus de 55 ans maintenant. Donc le centre de vaccination Bassompleins chez nous, le vaccinodrome à Toulouse Métropole aussi. Donc cette course contre la montre qui vise à avoir vacciné un maximum de personnes le plus vite possible a l'air bien partie. Deuxième sujet sur la Coupe du Monde de rugby que nous accueillerons à Toulouse du 8 septembre au 21 octobre. Elle aura lieu, cette Coupe du Monde de rugby. Et Toulouse, terre d'Ovalie et capitale du rugby, accueillera les matchs de la Coupe du Monde de rugby. Alors, on accueillera en ouverture France All Black et les réservations sont déjà ouvertes. On accueillera aussi la Nouvelle-Zélande, le Japon, les Fidji. Voilà, donc, et la Nouvelle-Zélande, bien sûr, trois fois championne du monde. Donc tout cela est confirmé à Toulouse Métropole. Tout ça se passera au Stadium. Ensuite, un point sur l'annulation du PLUIH le 30 mars par le tribunal administratif. La Métropole a depuis cette date, depuis le 30 mars, a eu et a 15 jours pour fournir des éléments complémentaires au juge administratif permettant de justifier le report de cette annulation au regard des conséquences manifestement excessives de cette décision. 42 recours, dont 12 ont été admis par le juge, pour un territoire de 770 000 habitants. C'est pourtant très peu et plutôt inférieur à la moyenne. L'action en justice fait notamment suite à une habitante de Toulouse qui conteste le fait que le PLUIH a réduit de moitié la constructibilité de son propre terrain. Effectivement, le PLUIH fait le choix assumé d'une densité modérée, décidée en concertation avec les habitants du quartier. L'intérêt assumé.
je disais, d'une densité modérée. Et parfois, l'intérêt particulier va à l'encontre de l'intérêt général, nous semble-t-il. Alors, cette annulation vise davantage la forme que la vision portée par la métropole. Nous avons une deuxième audience qui est prévue le 29 avril, audience lors de laquelle sera décidée la date d'exécution de cette décision d'annulation du PLUIH. Donc, juste souligner un vœu qui a été voté de soutien aux hôpitaux publics de Toulouse Métropole. Le 13 juillet, le Premier ministre et le ministre de la Santé ont signé les accords du Ségur consacrant 9,1 milliards d'euros par an d'ici 2022 au fonctionnement du système de santé et 19 milliards d'euros à l'investissement. Dans ce cadre, l'Occitanie bénéficie d'une enveloppe d'investissement de 1,236 milliards d'euros. Dans la mesure où le CHU de Toulouse est classé chaque année dans les 3 meilleurs établissements de santé de France et dans les 100 meilleurs hôpitaux du monde, dans la mesure où le CHS marchand agit avec détermination et professionnalisme au service de la santé mentale en maintenant et développant une offre de soins particulièrement nécessaire dans cette période de crise, dans la mesure où la crise sanitaire éprouve le personnel des services de santé amenant à un taux d'absentéisme en 2020 de près de 10% au sein du CHU, dans la mesure où des besoins concrets de matériel, de rénovation de locaux, de revalorisation des métiers, qui représentent des enjeux d'attractivité, de fidélisation sur les métiers en tension, Toulouse Métropole, lors du Conseil métropolitain du 1er avril, a adopté un vœu affirmant son soutien au CHU de Toulouse et au CHS marchand et souhaitant en fléchage des investissements vers ces structures proportionnées à leur importance. En souhaitant que les investissements intègrent une volonté claire de progression de la qualité de vie au travail afin d'amener une diminution de l'absentéisme et une reconnaissance du travail des équipes de santé. Voilà, j'en ai fini avec cette prise de parole introductive sur le Conseil de la Métropole du 1er avril. Donc il s'agit de rentrer maintenant dans l'ordre du jour de notre conseil municipal avec l'approbation du procès-verbal de séance de notre dernier conseil municipal du 9 mars. Y a-t-il des questions, des remarques sur ce procès-verbal ? Donc je vous propose... Olivier Artero. Merci Madame le maire. Juste une question. J'avais fait des demandes lors du dernier du conseil municipal concernant certains sujets et je n'ai toujours rien eu comme document, notamment. Plus que notamment, nous en faire la liste exhaustive parce que je me suis assuré qu'on vous avait communiqué ce qu'il fallait, donc rappelez-le-nous. J'en demande très rarement, madame, des documents, donc je vais réitérer. Absolument. C'est uniquement concernant la demande de subvention des SIL que j'avais notifié lors du dernier conseil municipal, c'est-à-dire avoir les documents que vous avez donc transmis à la préfecture concernant cette demande de subvention à l'État. Merci. Ah oui, mais moi je vous entends, monsieur Artero, mais je ne me suis absolument pas engagée à vous remettre les documents que nous avons remis. Je vous ai expliqué même pourquoi. Le fait que les projets évoluaient, le fait que les projets ont été traités extrêmement rapidement. Le temps des projets, c'est en ce moment. Et on a porté une demande de subvention sur deux projets dans le cadre de la DECIL. Et la pratique, maintenant peut-être qu'il y a quelques années, je vous l'aurais donné, mais la pratique de cette instance me laisse penser que, fort à parier, que les projets évoluant, vous me disiez, vous avez dit que, vous l'avez même écrit à la préfecture et vous ne l'avez pas fait. Et d'ailleurs, vous faites autre chose. Donc je vous dis dès aujourd'hui que le dossier que nous avons déposé, je vous l'avais dit la dernière fois, que nous avons déposé à la DECIL, est un projet qui a été déposé pour prendre date sur des demandes de subvention, sachant que la date à l'époque de remise de nos dossiers était avant le 31 décembre.
et que ces projets n'ayant pas fait l'objet de concertation n'étaient pas les projets que nous allions porter. D'ailleurs, on vous a consulté pendant plusieurs sessions et encore en conseil municipal, et les projets ne sont toujours pas aboutis. Donc ce qui est important, c'est effectivement les projets sur lesquels on va vous demander de délibérer, pas ceux qui ont fait l'objet d'un dépôt de subvention qui ont été instruits, comme je vous l'ai dit, extrêmement rapidement pour entrer dans un délai qui était imposé par les services de l'État. Donc je ne vous donnerai pas ces dossiers qui sont des dossiers confidentiels et qui sont des dossiers qui ne reflètent pas l'avancement des projets tels qu'ils en sont aujourd'hui. Et par contre, il y a une totale transparence dans nos commissions plénières sur comment avancent nos projets. Voilà, donc j'entends votre demande, mais malheureusement, nous n'y donnons pas suite. Gauthier Givaja. Oui, Madame le maire, merci. Bon, j'avoue que votre réponse me surprend un peu. Du coup, je ne pourrais que conseiller à M. Artero de saisir la CADA de façon à disposer de ces documents qui, somme toute, sont des documents produits par une administration et qui, vraisemblablement, pourront lui être apportés. Si tel est le cas, il doit pouvoir les obtenir de cette façon, si vous le pensez, et donc il n'y a aucun problème pour se les procurer. On en était à l'approbation du compte-rendu du procès-verbal de séance du conseil municipal du 9 mars. Y a-t-il des objections? Vous me disiez non. Et donc, je vous proposais de l'approuver. Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Donc, nous entrons dans le compte-rendu des décisions de l'article L2122-22 du Code général des collectivités territoriales. Y a-t-il des questions, des remarques sur ces décisions? Donc, s'il n'y a pas de remarques sur ces décisions, je vous propose de rentrer directement dans l'ordre du jour. Ah, une question. Je ne sais pas si ça fonctionne. Oui, Sophie, merci, Madame Bareil. Le maire. Comment? Oui. Je vous disais merci. J'avais une question concernant la page 7. Et en fait, que signifie l'acronyme FIPD. Et d'ailleurs, de façon plus générale, alors il y a dans l'équipe ici beaucoup de novices, ça serait bien qu'avec ces documents, de temps en temps, on puisse avoir des légendes. Ça nous aiderait. D'accord, mais j'ai pas su bien le voir. Le fonds interne. Oui, mais du coup. C'est constitué de quoi et d'où ça vient, ce fonds? Ben, si vous voulez, c'est un peu comme la DECIL. Ce sont des fonds d'État à disposition de la préfecture pour accompagner sur différentes politiques publiques que porte le gouvernement les communes. Donc, en fait, le FIPD, c'est sur la prévention de la délinquance. La DECIL, c'est sur des investissements communaux. Et donc, chacun a des sigles un petit peu barbares, j'en conviens. Mais en fait, ils portent des politiques publiques... gouvernemental et donc celui-là effectivement, mais parfois ça peut nous arriver d'oublier de le mettre en toutes lettres, mais là ça y était effectivement. D'autres questions? Oui, Gauthier Givaja. Oui, merci Madame le maire. Ça allait un peu au-delà en fait de la décision prise sur la page 6 concernant page 8 concernant la vidéoprotection. C'était pour savoir si à un moment il y aurait la possibilité d'avoir une présentation peut-être en commission concernant la vidéoprotection, les chiffres de la délinquance, la tranquillité publique, etc., de façon à un peu mieux éclairer notre réflexion et en même temps notre connaissance en matière de ce qui se fait actuellement sur la collectivité. Oui, merci. Ça sera avec plaisir. Ça sera à l'ordre du jour de la prochaine commission plénière. Est-ce que vous souhaitez une présentation dans un premier temps de ce qui est fait à l'échelon communal, avec un état des lieux et ce que l'on envisage, voire même vous associer à la réflexion, et auquel cas on le fait entre nous, ou est-ce que vous souhaitez en complément que nous sollicitions ce qu'ils font bien volontiers, la gendarmerie, pour qu'ils vous donnent, eux, une vision. Mais il me semble qu'on l'a déjà fait avec vous, peut-être. Hein, non?
Non, donc si vous le souhaitez, on peut demander aux gendarmes de venir vous donner leur vision sur la sécurité de la commune en complément ou lors d'une autre instance, comme vous le souhaitez. Pardon, peut-être effectivement c'est intéressant d'avoir les deux. Pas de problème. Donc lors de cette commission plénière, Monsieur Gus, on fera une présentation de tous nos dispositifs de vidéoprotection. Et en même temps, on demandera dans un deuxième temps, sur la fin de la commission, une intervention, comme ils le font de temps en temps, mais c'était, c'était pas récemment, pardon. Et donc une intervention de la gendarmerie, parce que ces dispositifs sont très attendus par la gendarmerie. Parce que c'est pour eux l'opportunité d'élucider des délits. Et donc c'est très intéressant de voir les interactions entre la police municipale, les caméras de vidéoprotection et la façon dont la gendarmerie les utilise. Oui, bien sûr, on pourra vous présenter tous les outils de prévention de la délinquance dans un contexte peut-être différent de celui du précédent conseil municipal où effectivement on a un certain nombre de dispositifs dans le cadre de la prévention de la délinquance, particulièrement de la jeunesse, que l'on vous présentera à cette occasion aussi. D'autres questions sur les décisions ? Donc, nous pouvons rentrer, donc je disais, directement dans l'ordre du jour. Et donc, avant de rentrer dans le point 1, je voulais, comme je l'ai fait en commission, dans les commissions dans lesquelles j'étais présente, à la fois vous annoncer, mais je pense que vous le savez, mais malgré tout, souligner l'importance que ça revêt pour nous de voir Alain Massa quitter notre équipe. Donc je voudrais à la fois vous lire sa lettre et puis dire quelques mots, parce que je souhaite qu'il soit écrit dans le compte-rendu, parce qu'il reflète véritablement ce que chacun de nous pense de ces 7 années où il a été à nos côtés. Donc il nous écrit en disant « Madame le maire, suite à notre entretien du 15 février dernier, je vous confirme ma décision » de démissionner de mon mandat de conseiller municipal, ce qui de facto mettra également un terme à mes fonctions de premier adjoint, à mes délégations aux finances et ressources humaines, sans oublier les commissions et comités auxquels je participe. Je cesserai toute fonction dès le 1er avril prochain. Ceci, conformément à l'engagement que j'avais pris avec vous, de rester 1 an après les élections de mars 2020 si nous étions élus. Comme vous le savez, mon état de santé et la période d'isolement du fait de la Covid-19 ne m'ont pas permis de vous adresser la présente plus tôt. Je vous prie d'agréer, Madame le maire, l'expression de salutations distinguées. Donc, les quelques mots que je voudrais dire ne seront pas longs. Je voudrais simplement souligner que Alain Massa a été un premier adjoint extrêmement investi, extrêmement compétent, extrêmement à l'écoute, extrêmement loyal. Ce fut une chance pour moi, ce fut une chance pour nous tous, particulièrement à l'occasion de notre premier mandat, de pouvoir l'avoir à nos côtés. Sur ce deuxième mandat, alors que je savais qu'il avait le souhait désormais de profiter un peu plus de sa retraite et de ses proches, je lui avais demandé de jouer encore un peu les prolongations. Je le remercie publiquement d'avoir accepté. Même si son départ était annoncé, j'aurais préféré qu'il nous quitte dans d'autres circonstances que celles de la Covid, puisque comme vous le savez, et même s'il va bien aujourd'hui, il a eu la malchance d'attraper le virus et ce dernier l'a beaucoup fatigué, même s'il va bien aujourd'hui. En tant que premier adjoint, Alain a été un homme et un élu précieux, très apprécié par les agents de la collectivité et toujours très investi. Sa voiture, toujours garée devant la mairie, témoignait de sa présence efficace, quotidienne, et je dois aussi le dire, extrêmement rassurante. Alain est un homme discret, travailleur, qui a un sens aigu du service public. C'était une chance pour Saint-Aurens qu'il nous ait offert pendant toutes ces années ses compétences et sa gentillesse. Pour moi, comme pour nous tous, nous acceptons et nous comprenons son choix. Les portes de notre bonheur ne s'arrêtant pas à celles de la mairie.
En tout cas, les portes de notre reconnaissance et surtout de notre amitié lui resteront ouvertes. Je sais que nous aurons le plaisir de nous retrouver dès que cela sera possible, autour d'une belle tablée joyeuse. Je ne sais pas, Alain, si tu suis en ce moment ce conseil municipal à distance. En tout cas, je t'adresse au nom de toute l'équipe municipale un salut très très affectueux. La mairie de Saint-Aurens restera toujours un peu ta seconde maison. Alors, l'installation d'un conseil municipal, c'est évidemment la première délibération, une suite logique de la démission d'Alain Massa. Et donc, c'est avec énormément de plaisir que nous accueillons Samia. Alors, elle est déjà conseillère municipale. Nous l'installons aujourd'hui, mais elle l'est depuis qu'elle a accepté, quand nous l'avons sollicitée, pour savoir si elle voulait rejoindre notre équipe. Elle a accepté instantanément et c'est avec beaucoup de plaisir que nous l'accueillons aujourd'hui, que nous installons Samia El Marzouki dans ses fonctions de conseillère municipale. C'est une délibération qui ne donne pas lieu à un vote. Y a-t-il des questions ? Toujours consécutivement au départ d'Alain Massa, il nous revient de fixer le nombre des adjoints au maire. Et donc nous vous proposons, dans cette délibération numéro 2, de conserver le nombre d'adjoints au maire à 9. Y a-t-il des questions avant que nous passions au vote sur cette deuxième délibération ? Qui est contre ? Qui s'abstient ? Je vous remercie. Délibération numéro 3. Donc, suite à la démission d'Alain Massa de ses fonctions de premier adjoint au maire, il nous revient aujourd'hui d'élire un premier adjoint. Un adjoint et un premier adjoint dans la même délibération. Cette délibération va faire l'objet d'un vote à bulletin secret. Et donc je vous propose que ce soit Jean-Pierre Godefroy, conseiller délégué de l'équipe actuelle, qui devienne notre premier adjoint. Je vous propose aussi que les rangs existants soient donc maintenus. Je pense qu'il est inutile que je lise la totalité de la délégation. L'objet de ce vote à bulletin secret vise à élire Jean-Pierre Godefroy, premier adjoint de la commune de Saint-Aurens. Y a-t-il des questions ? S'il n'y en a pas, il va nous falloir proposer deux scrutateurs. Alors, on avait pensé avec M. Gus que David Andrieux et Gauthier Givaja pouvaient être ces deux scrutateurs. Alors, l'accepte-t-il ? On avait pensé que c'était bien de mettre des jeunes, m'avait dit M. Gus. Donc David, tu es OK, merci. Donc il est de coutume de proposer à la minorité de faire la paire. Peut-être Rachida, est-ce que tu veux bien être scrutatrice ? Merci. Donc c'est pas trop compliqué, mais c'est un petit peu de travail, puisque comme vous allez être guidé par Cécile, mais il va falloir procéder au vote. Donc il y a une petite logistique et puis derrière vous allez devoir compter les bulletins tout simplement et proclamer le vote en fonction des scores. C'est les deux scrutateurs qui sont fondés à conduire cette mission. Donc si vous voulez bien vous rapprocher de Cécile et de Virginie, vous rapprochez pas trop en gardant la distance. Donc le scrutin consiste à mettre dans l'enveloppe soit un bulletin blanc, soit un bulletin qui contient le nom de Jean-Pierre Godefroy. Vous pouvez mettre un nom, si vous le souhaitez, sur le bulletin blanc.
ce moment-là, il faut le dire que chacun et on va noter et on coche au fur et à mesure. On coche au fur et à mesure ceux qui ont voté. Voilà, on appelle les noms au fur et à mesure. Oui, c'est vous qui prononcez les noms. Sinon, vous allez croiser, comme ça, vous venez en logiquement. Très bien. Et on coche. Et on coche au fur et à mesure. Ouais. Donc je vous invite à faire un tout petit peu silence et à prononcer haut et fort votre nom et comme ça on pointe que tout le monde est bien voté. C'est Monsieur Gus qui pointe. Je pointe sur la liste. Non, les assesseurs, ils servent à ça, non ? Non, les scrutateurs, ils comptent. Allez. Ah, ils sont scrutateurs, pas assesseurs. Voilà. Très bien. Rachida. Merci.
Jean-Pierre Godefroy. 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 Je pas la voix de nom. Jean-Pierre Godefroy. Jean-Pierre Godefroy. Jean-Pierre Godefroy. Jean-Pierre Godefroy. Nul, hein? Non, non. Il est plié, non. Il est plié. Ah, c'est pas grave. Ah, ouais. Jean-Pierre Godefroy. 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 Blanc. Blanc. Nul, pardon. Elle était derrière. Merci beaucoup, Jean-Luc. Elle était derrière. Madame la mère, elle était sur le côté. Ça, c'est la même. Ah, d'accord. Ça, c'est... Blanc. C'est bon ? Nul. Jean-Pierre Godefroy. Jean-Pierre Godefroy. Et Godefroy, Jean-Pierre. Vous voulez compter ? Vous voulez compter ? Il faut compter, d'accord. Alors, nul, 2. Cinq, blanc. Jean-Pierre Godefroy, 26. Merci, les scrutateurs. Donc, 26 voix pour Jean-Pierre Godefroy, premier adjoint. 2 nuls et 5 blancs. Bravo.
Donc tu te mettes là, voilà, que je ne me trompe pas, que tu te retournes face à nos collègues élus, voilà. Et puis donne ton bras gauche, voilà, super. Donc voilà, on dit voilà, et je suis très fière et très heureuse au nom de tout le conseil municipal. Je ne peux pas faire la bise. Et non, on ne peut pas faire la bise. Et te voilà élu premier adjoint, Jean-Pierre. Bravo. Tac, clic. Bravo. Jean-Pierre Godefroy. Oui, je voudrais d'abord vous remercier tous pour ce vote, quoi que vous ayez voté. De toute façon, vous l'avez fait en conscience et de bonne foi, et c'est l'essentiel. Par ailleurs, si vous me laissez une minute, et si elle me le permet, je voudrais revenir sur une expression que Madame le maire a employée il y a quelques jours à mon sujet. Elle a dit « Jean-Pierre, il n'est pas clivant ». Saint-Aurin, c'est une commune qui se développe et qui innove. Notre forêt urbaine en matière environnementale, notre future crèche de nuit pour les parents qui travaillent, pour ceux qui travaillent tard le soir, l'écomobilité, nos quatre grands projets, Masso, Catala, Altigone, le quatrième groupe scolaire, et tous les autres sujets dessinent des perspectives enthousiasmantes. Et nous sommes ici pour débattre, pour discuter, pour échanger sur ces sujets au bénéfice de nos concitoyens. Mais la minorité n'a pas toujours tort lorsqu'elle s'exprime, et la majorité n'a pas toujours tort aux yeux de la majorité lorsqu'elle s'exprime à son tour, même si, bien entendu, elle demeure la majorité. Et par conséquent, nous sommes ici pour essayer de dégager sur les sujets que je viens de citer, des consensus, et faute de consensus, d'essayer de pratiquer ce que j'appelle la culture du compromis, c'est-à-dire qui consiste pour chacun à faire un pas vers l'autre de façon à dégager une solution acceptable. C'est en tout cas ce que je continuerai de faire avec enthousiasme et conviction, à jouer l'interface dans l'ombre de Madame le maire. Merci. Merci beaucoup, Jean-Pierre. Bien, après ces moment d'émotion, il revient de passer à la délibération numéro 4, qui consiste à fixer les indemnités de fonction des conseillers municipaux. Pas de grand changement. Les indemnités restent ce qu'elles étaient. Simplement, Jean-Pierre Godefroy, étant premier adjoint, va bénéficier d'une indemnité de 17,228% au même titre que tous les autres adjoints. Et Samia El-Marzouki, conseillère municipale déléguée, va bénéficier de 7,20% de l'indice brut terminal, comme tous les autres conseillers délégués. Y a-t-il des questions sur la quatrième délibération ? Je vous propose de la voter. Qui est contre ? Qui s'abstient ? Je vous remercie. C'est Pierre Audoubert qui va présenter les délibérations suivantes. Donc la délibération numéro 5 concerne la modification du tableau des emplois permanents de la ville. Pierre, c'est à toi. Oui, merci Madame le maire. Donc Madame le maire expose à l'Assemblée que conformément à l'article 34 de la loi numéro 84-53 du 26 janvier 84, les emplois de chaque collectivité ou établissement sont créés par l'organe délibérant de la collectivité ou de l'établissement.
Il appartient donc au conseil municipal de la ville de Saint-Orens-de-Gameville, dans le cadre des avancements de grade, d'une part, et des promotions internes, d'autre part, au titre de l'année 2021, de créer des postes nécessaires au déroulement des carrières des agents titulaires. Madame le maire propose ainsi de modifier le tableau des effectifs et des emplois permanents de la ville en procédant à la création des postes afin de pouvoir procéder à la nomination des agents concernés tout au long de l'année 2021. Si tel est votre avis, vous voudrez bien adopter la délibération ci-après. Des questions ? Merci Pierre. Des questions sur la délibération numéro 5 ? Pas de questions. Qui est contre ? Qui s'abstient ? Je vous remercie. La délibération numéro 6, toujours Pierre Audoubert, sur la création d'un emploi non permanent, un contrat de projet en faveur de l'inclusion numérique. Pierre Audoubert. Merci. Madame le maire expose à l'Assemblée que la crise sanitaire a mis en lumière l'importance particulière des outils numériques. En effet, le numérique est amené à prendre une place croissante dans nos vies de citoyens, de consommateurs, de travailleurs, d'apprenants ou de parents. Il est donc nécessaire d'accompagner les plus fragiles face au numérique en s'appuyant sur le plan France Relance en faveur de l'inclusion numérique. En effet, le dispositif conseiller numérique France Service est un dispositif initié par l'État qui vise à démocratiser l'usage du numérique partout en France. Pour cela, les collectivités territoriales sont invitées à faire appel à ce type de projet pour réduire les inégalités dans la maîtrise du numérique. Madame le maire propose, dans cette perspective, de créer un emploi non permanent relevant de la catégorie hiérarchique C, filière administrative à temps complet, afin de mener à bien le projet identifié relevant du dispositif conseiller numérique France Service pour une durée de 2 ans minimum et 6 ans maximum. La rémunération sera déterminée selon le grade d'adjoint administratif sur un indice de rémunération maximum de 342, 7e échelon, en fonction notamment des fonctions occupées, de la qualification requise et détenue par l'agent ainsi que son expérience. L'agent assurera les fonctions de conseiller numérique France Service à temps complet. Elle rappelle à l'Assemblée délibérante que le contrat de projet est prévu par la loi numéro 2019-828 du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique, et qu'il permet aux collectivités territoriales de mener à bien un projet ou une opération identifiée, dont l'échéance est la réalisation des 10 projets ou opérations. Le contrat prend fin avec la réalisation de l'objet pour lequel il a été conclu. Toutefois, après l'expiration d'un délai d'un an, il peut être rompu par décision de l'employeur lorsque le projet ou l'opération pour lequel il a été conclu ne peut pas se réaliser, sans préjudice des cas de démission ou de licenciement. Si tel est votre avis, vous voudrez bien adopter la délibération ci-après. Merci. Y a-t-il des questions sur la délibération numéro 6 ? Oui. Louis-Antoine Vergniaud. Merci, Madame le maire. J'avais une question, effectivement, en fait, à savoir pourquoi est-ce que ce poste n'était pas porté par le CCAS ? Puisqu'il est question d'inclusion, je crois que c'est des sujets qui ont été déjà évoqués lors de différents conseils d'administration du CCAS, pas du dernier, effectivement. Voilà. Oui, donc en fait, il n'y a pas une superposition parfaite entre la direction de la cohésion sociale, portée par Magali Joanne, et la direction du CCAS. Par exemple, le logement social est porté par Corinne Favier, qui est un agent de la commune et qui est rattachée à Magali Joanne dans le cadre de la cohésion sociale, sa direction. L'emploi, l'insertion par l'emploi, etc. Donc aujourd'hui, le choix est fait de rattacher ce poste à la direction de la cohésion sociale, mais pas forcément au CCAS. Cependant, s'il s'avérait qu'il soit plus utile qu'il soit rattaché au CCAS, rien ne nous en empêchera. Il y a des agents qui sont détachés au CCAS, qui sont des agents de la commune, il y a des agents du CCAS qui sont détachés chez nous. Donc aujourd'hui, le poste, il est bien rattaché à Magali Joanne en tant que directrice de la cohésion sociale. Oui, Louis-Antoine Vergniaud. Merci pour votre réponse. Est-ce que ça remet en cause ce qui avait pu être évoqué il y a quelques mois, à savoir par exemple des contrats en service civique au CCAS, justement dans l'aide numérique ? Alors non. En fait, on attend sur ce poste d'être sûr de l'avoir financé, parce qu'il y a plusieurs vagues de financement de ces postes pour le recrutement. Par contre, la réflexion est en cours sur les services civiques. Donc toujours deux options, soit on les recrute directement avec du tutorat en direct, soit on passe par une association.
Et donc, la décision n'est pas encore prise, parce qu'on a énormément de choses à installer, on ne peut pas installer tout en même temps. Mais c'est tout à fait, dans notre esprit, complémentaire. Pierre Audoubert. Oui, juste pour le côté fonctionnel, je pense qu'il serait intéressant d'attendre que la nouvelle personne, si on la recrute, qu'on puisse la recruter, qu'elle voit un petit peu comment elle peut s'organiser en termes d'organisation, si elle veut travailler avec des emplois civiques, etc., pour mener la politique d'inclusion numérique au niveau de la collectivité. Oui, mais je m'étais permis de dire qu'on menait les deux concomitamment, parce que d'abord, recruter les services civiques, c'est très long. Et ensuite, comme aujourd'hui, il n'est pas financé, ce poste, on délibère. Si ça se trouve, on va passer dans une vague de financement du mois de novembre. Donc si Magali et les services étaient prêts à démarrer avec des services civiques parce qu'on est plus rapidement avancé sur ces sujets, pourquoi pas ? Il ne faut pas se l'interdire. Mais c'est vrai que par cohérence, ça serait bien qu'on ait évidemment l'agent en charge, qui lui-même déciderait de comment il opère et comment il fonctionne. Absolument. Oui. Sophie Bareille, c'est à vous. Oui, merci Madame le maire. En lien avec cette situation qui est décrite de l'expiration d'un délai d'un an, qui va faire qu'éventuellement vous allez rompre le contrat, vous partez sur un CDD que vous nous évoquez entre 2 ans et 6 ans. Déjà, c'est du simple au triple, c'est beaucoup quand on est candidat. Vous imaginez aller plutôt vers quelle durée de poste ? Les profils, de ce que je comprends, pour les communes qui ont déjà recruté, les profils sont extrêmement variés. Et donc, une délibération, elle vise à ne rien s'interdire et pouvoir se permettre de nous adapter aux profils que l'on recrutera. Donc, aujourd'hui, à moins que quelqu'un parmi mes collègues qui est un élément de réponse concret, 3 ans par exemple, pourquoi pas. Oui. Mais enfin, l'expérience des mairies qui ont recruté, les profils étant très variés, si on a un jeune super, mais il n'est disponible que 2 ans, ou son ambition c'est 2 ans, pourquoi pas s'en priver alors que nous, on a plutôt envie de s'inscrire dans la durée. C'est pour ça qu'on a mis une durée assez large, quoi. Oui, Sophie Bareille. Je me permets juste, parce que quand même, je travaille dans ce monde-là, de vous redire que ce n'est pas le profil qui fait le poste, mais le poste qui fait le profil, Madame le maire. Alors, comme je travaille dans ce monde-là aussi, je le sais comme vous que c'est le poste. Mais après, il y a la théorie aussi, vous le savez comme moi, et puis il y a la pratique. Et donc là, je vous faisais part d'un partage d'expérience de collègues élus, mais c'est tout à fait vrai que c'est le poste qui fait le profil et pas l'inverse. Je souscris. Merci. Oui, Olivier Artero. Merci Madame le maire. Juste une petite remarque concernant la création de cet emploi non permanent. Non pas sur les missions qu'il va avoir à mettre en œuvre, mais sur le fait que depuis que je suis élu, encore une fois, et même Monsieur Audoubert, vous êtes sans arrêt dans la demande de faire participer les citoyens de Saint-Aurès dans l'action publique et municipale. Bon. Il s'avère que vous connaissez aussi bien que moi, je suppose, votre tissu associatif, notre tissu associatif. Et il existe aussi, effectivement, des associations qui auront en charge, et qui ont en charge déjà, ce genre de mission. Étant donné que c'est encore une fois, bien entendu, de l'aubaine, puisque c'est une subvention amenée par l'État qui va vous permettre de créer ce poste ici à Saint-Aurès, mais est-ce que ça ne serait pas, comment dire, un peu plus éthique de laisser cet investissement vers des communes qui sont assez loin du numérique, vous savez, dans le rural, entre les comment on appelle ça, les réseaux qui n'existent pas, les gens qui n'ont pas très l'habitude non plus d'utiliser des smartphones ou micro-ordinateurs. J'espère juste que pour notre commune qui est très très bien équipée, qui a un niveau de CSP très élevé, j'espère qu'il n'y aura pas de communes qui en ont réellement besoin, qui ne pourraient pas, peut-être, éventuellement, bénéficier de ce genre de subvention. Oui, je vous comprends très bien. Il y a 2 associations sur la commune. Il y a Café In, il y a les AVF. Les AVF font ça aussi très bien et de façon très significative, Café In aussi.
Donc, on fait ce choix, mais comme vous le savez, on fait un choix politique de compléter le dispositif sur la commune, non pas de le concurrencer, mais de le compléter par le recrutement d'un agent. Et ensuite, par rapport aux communes qui sont éloignées du digital, le gouvernement n'a pas donné un nombre limité qui ferait que si on en prenait un, il y a une commune qui n'en est pas. Donc, nous, aujourd'hui, on considère que sur la commune de Saint-Aurens, au-delà des deux associations que j'ai identifiées, il y a peut-être une troisième, je n'ai pas identifié, mais c'est bien dans le champ des politiques publiques locales que l'on porte, et donc c'est bien une décision politique de recruter quelqu'un qui travaillera main dans la main avec les assos si elles l'acceptent. Mais voilà, donc c'est un choix, on va dire, délibéré, parce qu'on les connaît, ces deux assos, et on sait le travail de qualité qui est fait. Anissé Kounougous. Oui, merci Madame le maire. Juste pour compléter vos propos et répondre aussi à Monsieur Artero, il est question là de public quand même spécifique. Quand vous avez affaire à des personnes âgées ou des personnes en recherche d'emploi, pour être efficace, il faut faire appel aussi à des professionnels. Et c'est ce qu'on fait. Je pense qu'il faut faire, comme Madame le maire l'a précisé, on est dans une complémentarité. Bien sûr que les associations locales peuvent apporter leurs compétences. Mais oui, tout à fait. Mais je pense que si on veut être dans une politique publique durable, il faut aussi mettre tous les moyens, et notamment des professionnels, comme je dis, à la disposition des publics spécifiques de notre commune, des personnes âgées ou demandeurs d'emploi. Je pense que c'est très important. Il me revient deux politiques publiques. Oui, je vais te donner la parole, Pierre, pardon. Il me revient deux politiques publiques au CCAS sur lesquelles on a vraiment besoin d'un agent sur le numérique. C'est l'emploi, sur lequel on a quelques personnes et quelques demandeurs d'emploi, sur lequel on a besoin non pas d'une assoce, mais vraiment de quelqu'un qui accompagne les travailleurs sociaux, qui accompagne, que ce soit sur l'insertion par l'emploi ou sur l'emploi tout simple, qui accompagne les candidats dans mise en place d'un CV, etc. Et il y en a qui sont très très loin, donc il y a tout un travail amont qui est à faire avant de pouvoir avoir accès à des recherches de postes sur Internet, etc. Et la deuxième politique publique, c'est tout ce qui touche aux démarches administratives, que ce soit la CPAM, la CAF, sont des démarches où aujourd'hui on n'a accès que par numérique. Donc il faut impérativement qu'au CCAS, on ait, encore une fois, là, pas une assoce, mais véritablement un agent de la commune qui fasse monter en puissance un peu nos concitoyens. Donc tout en ne vous disant pas qu'on ne pourrait pas faire autrement, hein, mais en réaffirmant notre souhait de recruter quelqu'un. Y a-t-il d'autres questions sur cette délibération numéro 6, Pierre Audoubert? Petit complément là, pour répondre aussi à Olivier. On s'est aperçu que lors de l'épisode sanitaire que l'on vit, qu'il y a quand même une fracture numérique importante, même à Saint-Aurens. Il y a beaucoup de personnes qui n'ont pas soit les outils, soit les compétences. On anime une cellule pour les prises de rendez-vous et on s'aperçoit qu'il y a beaucoup quand même de personnes qui ne savent pas le faire tout seul. Et deuxième point, c'est vrai que les associations, c'est bien, mais je pense qu'il faut que ce type de politique soit porté par la collectivité et peut-être même plus largement que sur ce poste-là, avec d'autres ressources supplémentaires, parce qu'autrement, on laisserait de côté une partie de notre population et c'est pas sain et c'est pas bon, à mon sens. Merci, Pierre. Donc, je vous propose de voter cette délibération numéro 6, qui est contre, qui s'abstient. Je vous remercie. La délibération numéro 7 appelle l'approbation d'une convention de mise à disposition d'un fonctionnaire territorial de la mairie de Toulouse auprès de la ville de Saint-Aurens. Pierre Audoubert. Pierre, c'est à toi. Merci, Madame le maire. Madame le maire expose à l'Assemblée que le poste d'animateur cœur de ville, chargé des relations avec les commerçants de proximité, sera pourvu par un agent de la mairie de Toulouse, mis à disposition de la ville avec son accord. En effet, la mairie de Toulouse a proposé de mettre à disposition de la ville un fonctionnaire territorial appartenant au cadre d'emploi des agents administratifs territoriaux pour une durée de 3 ans, après délibération du conseil municipal du 19 mars 2021. Il aura pour mission de développer, d'aménager, de dynamiser et de promouvoir l'attractivité commerciale du centre-ville.
Cette mise à disposition fait l'objet d'une convention conclue entre la mairie de Toulouse et la mairie de Saint-Orens-de-Gameville, exposant notamment la nature des activités exercées par le fonctionnaire mis à disposition et ses conditions d'emploi. Si tel est votre avis, vous voudrez bien adopter la délibération ci-après. Merci. Merci. Délibération numéro 7, des questions. Il y en a. Si, Olivier Artero. Oui, encore une remarque, peut-être un peu politique, effectivement, mais bon. Vous êtes dans la recherche quand même depuis un certain temps à recruter des contrats de droit public. Ça, c'est un fait. Chercher des subventions un petit peu partout pour gonfler nos ressources humaines ici à Saint-Orens. Le seul souci, c'est qu'on n'est pas du tout aujourd'hui dans une politique RH qui soit digne de ce nom. Pour un poste comme celui-ci, vous ne pouvez pas me dire qu'un fonctionnaire de Saint-Orens n'est pas capable d'assumer une mission comme celle-ci. Si à Saint-Orens, vous n'avez pas l'ambition de pouvoir faire progresser vos agents, ça, c'est quand même assez problématique et ça ne fait que se répéter conseil municipal par conseil municipal. Je trouve que ça commence à être vraiment je sais pas quel mot je pourrais donner, mais ça commence à être fatigant, oui, pour moi, oui. Mais nous, ce qui nous fatigue, monsieur Artero, c'est surtout que vous n'écoutiez pas, vous ne vous renseignez pas. Le poste, il a évidemment été ouvert en interne, longtemps. On a même suscité des candidatures en interne via les managers. Parce que comme vous, on partage l'idée qu'on pouvait trouver un agent. Et notre politique en matière de ressources humaines au mandat précédent a montré qu'on a fait évoluer des postes, qu'on a mis la mobilité au cœur de nos ressources humaines. On l'a encore mis au cœur de nos ressources humaines. On a même fait évoluer deux agents de la commune qui avaient souhaité devenir policier municipal. On a payé un an de formation pour leur permettre. Donc, regardez, observez, lisez les lignes directrices de gestion, interrogez les chefs de service, les directeurs. La mobilité est au cœur de notre projet. Donc, il n'y a pas eu de candidat. Voilà. Alors, on l'a ouvert à l'extérieur et on a eu une candidature de la mairie de Toulouse pour un détachement. Donc, voilà. Mais il faut juste poser les questions et pas avoir des a priori. Donc, Sophie Bareil a demandé la parole. Oui, je me régale aujourd'hui, Madame le maire. Eh oui, on parle de ressources humaines, c'est normal. Eh oui. Alors, comment vous dire ? Je voudrais savoir, vous dites que vous n'avez eu qu'une seule candidature ? Nous n'avons eu aucune candidature interne. Nous avons eu trois candidatures externes. Et nous avons retenu cette personne qui, elle, est un fonctionnaire de la mairie de Toulouse qui est mis à disposition. C'est le terme qui convient. Alors pour le coup, pardon, je vais aller juste un petit peu plus loin. Je me questionnais sur finalement sa compétence à cette personne-là que voilà, je ne connais pas et c'est vous qui l'avez rencontré, mais issu d'une mairie comme Toulouse pour aller s'occuper de 12 000 habitants et d'un cœur de ville qui est le nôtre, je trouve que peut-être il n'y a pas d'adéquation complète, vous voyez, vu de loin. C'est pour ça que je serais curieuse de savoir, mais bon, c'est peut-être pas le lieu, hein. Finalement, qu'est-ce qui a fait ce choix-là ? Je vous remercie, Madame le maire. Alors, je peux vous dire que c'est tout à fait le lieu. Ah, d'accord. D'abord, c'est tout à fait le lieu de poser des questions et de débattre et d'expliquer. Et si les explications ne vous conviennent pas, on peut tout à fait poursuivre, en donner d'autres. Et puis, si finalement on n'est pas d'accord, on finira par quand même voter. Mais on est là pour répondre à ce genre de questions. Donc, nous cherchions, c'est Colette Crouzeil, l'élue de référence sur ce poste, quelqu'un qui ait une double compétence, à la fois qui ait été, si c'était possible, commerçante, qui connaisse ce monde, et en même temps, qui ait une expérience de l'administration. Et c'est vrai qu'on serait passé outre, si on avait trouvé une candidature interne, le fait que cette personne connaisse le monde du commerce. Mais à partir du moment où on n'a pas eu de candidature interne, on a effectivement considéré donc là que cette personne avait un profil idéal par rapport à ce que nous recherchions, c'est-à-dire cette double compétence. Elle a été commerçante pendant quinzaine d'années et elle est depuis, je crois, 7 ou 8 ans fonctionnaire de la mairie de Toulouse. Donc ce n'est pas une fonctionnaire de 30 ans, ce n'est pas une commerçante de 30 ans, c'est quelqu'un qui avait cette double facette qui nous est apparue bien correspondre à nos besoins.
Avec plaisir. Donc là, on est sur la délibération. Ah, pardon, Rachida Haradj. Merci, Madame le maire. Moi, j'ai une question à poser. Les commerçants et l'association des commerçants, Applica, ont-ils été concertés, ont-ils été consultés? Alors, Applica, peut-être Colette peut en dire quelques mots, mais elle les a au téléphone toutes les semaines. Donc, je veux dire, on est en relation avec eux sur différents sujets. Et donc, ils ont été, je pense, informés que nous recrutions et informés de qui nous avons recruté. Mais Colette Crouzeil. Ils ont été informés, effectivement, qu'il y avait un recrutement en cours et que quelqu'un était recruté. Mais on ne leur a pas demandé leur avis pour le recrutement, bien sûr. Donc, on a suffisamment... suffisamment de relations régulières avec eux pour que s'il y avait eu dans leur entourage un candidat, ils auraient su nous le recommander. Donc il y a un vrai travail partenarial avec la SOS des commerçants. Et on est, par exemple, en ce moment en relation avec eux sur le sujet de la plateforme, puisqu'ils ont développé pendant le Covid une plateforme qui vise à donner de la visibilité numérique aux commerçants saint-oranais. Et comme il y a une démarche concomitante qui a été conduite par Toulouse Métropole, Colette est en relation avec eux sur ces sujets-là. Et puis, dès qu'on a des vacances aussi, c'est avec eux qu'on travaille. Donc, on a des sujets d'échange permanent. Mais, comme l'a dit Colette, quoi, ils ont été associés par le fait qu'ils ont été informés, mais on ne leur a pas dit « Venez donc au jury ». On est quand même sur le recrutement d'un poste pour la mairie de Saint-Orens. Mais on vous écoute, Rachida. Rachida Haradj. Oui. Moi, j'aimerais aussi savoir quels sont les besoins. Est-ce que vous connaissez les besoins de ces commerçants? Alors, le recrutement, Rachida, n'a pas pour but de dire à la personne que nous recrutons, voilà les besoins et nous vous invitons à y répondre. Ce recrutement, il a pour but d'aller, et d'ailleurs, elle le démontre tous les jours depuis qu'elle est arrivée, d'aller les écouter. Et d'ailleurs, elle fait des comptes rendus à sa hiérarchie et à Colette, à minima de façon hebdomadaire, mais quasi quotidiennement, de toutes ces rencontres et de tous les problèmes que les commerçants rencontrent. Donc en fait, on l'a recrutée pour aller chercher les difficultés qu'ils peuvent avoir, les diagnostiquer et faire des propositions. Elle résout 4 ou 5 sujets par semaine qui lui sont remontés. Il y en a d'autres qui prennent un petit peu plus de temps. Mais donc... notre but n'était pas d'aller voir les commerçants pour savoir qui fallait qu'on recrute. Notre but était de recruter quelqu'un qui avait cette expérience pour justement les visiter faire et poser son propre diagnostic. Et on s'aperçoit qu'elle résout déjà des choses rapidement, souvent dans un délai très rapide. Donc voilà un peu sa mission, c'est écouter, diagnostiquer aussi des choses qui parfois ne se voient pas au premier abord pour essayer d'aider les commerçants. Et ensuite, répondre à leurs demandes avec le plus de réactivité possible. C'est vraiment sa ligne de conduite. D'autres questions, d'autres remarques? Oui, Rachida Haradj. Je suis toujours dans l'attente de la fiche de poste, parce que à la dernière commission, justement, vous m'aviez dit « on vous la transmettra ». Et je ne l'ai toujours pas. Et c'est une erreur de ma part, donc je vous présente mes excuses. Vous allez la recevoir. Merci, Madame le maire. D'autres questions sur la délibération numéro 7? Non, il n'y en a pas. Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Donc, nous entrons avec les délibérations de 8 à 14 dans 7 délibérations. Alors, je vous invite, je fais une toute petite introduction. Alors, est-ce que vous voulez, avant mon introduction, Aude Limon Préceptis? Oui, Aude Limon Préceptis. Pardon, j'attendais la clôture des votes sur la question RH. J'avais juste une question. Pouvez-vous me donner, s'il vous plaît, le nom de votre directrice de cabinet? Parce que, en fait, je ne la connais pas, mais je ne la vois apparaître nulle part sur le site de la ville et j'en ai eu besoin et je... Alors, ça s'écrit donc, c'est Laurence Gott, G-O-T-Villiers. V-I-2-L-I-E-R. Et je me demande s'il y a un S à la fin. Oui, il y a un S à la fin. Laurence Gott, Villiers. Pour moi, il n'y a pas de S. Tout le monde a dit un S. Écoute.
je disais donc en introduction des délibérations 8 à 14 que j'allais donc donner la parole à Alice Valera pour présenter ces 7 délibérations. Mais oui. 7 délibérations. Est-ce qu'on peut arrêter avec le S ou pas le S ? On enverra un message parce que du coup j'entends plus et je sais plus. Donc il n'y a peut-être pas d'S, on va vous dire s'il y a un S ou pas. D'accord. Donc je disais donc les délibérations 8 à 14. Donc ce que je vous propose, c'est qu'on les présente sous forme d'un PowerPoint le plus didactique possible et que nous débattions le temps qu'il faudra sur ces différentes délibérations. Donc, Alice Valera, c'est à toi. Alors bon, tout d'abord, je souhaite remercier quand même Madame le maire de la confiance qu'elle me témoigne en me confiant cette mission, et aussi Séverine Dignac pour toute la préparation de ce travail. Donc, ce soir, je vous présenterai, comme vous pouvez le voir sur ce premier slide, le compte de gestion, le compte administratif, l'affectation des résultats 2020 et le budget primitif. Donc, il faut savoir que ces éléments sont conformes aux orientations budgétaires qui ont été débattues et définies lors du conseil municipal du mois passé, donc le 9 mars. Notre objectif aussi est de vous le présenter de façon synthétique, de vous présenter les grandes masses de façon synthétique, dans la mesure où vous avez déjà reçu un rapport qui vous détaillait in extenso le détail de chacune des opérations. Je ne vous apprendrai rien en vous disant que la situation de l'an passé a quand même été très atypique compte tenu de la situation pandémique et que nos chiffres ont été surtout fondés sur certains taux en miroir avec l'année 2019, qui nous semblait une année plus classique. Ça sera notre base de comparaison. Alors, on va commencer par le compte de gestion. Alors, le compte de gestion, qu'est-ce que c'est ? C'est un document de notre comptable public. C'est un document qui est visé, qui est certifié. C'est comme une photo qui est faite au 31 décembre et qui va reprendre toutes les recettes encaissées auxquelles on va défalquer les dépenses payées et qui vont nous donner un résultat brut de clôture. Donc pour notre année 2020, il s'avère que sur le réalisé 2020, nous avons un solde de 1 595 000, donc qui est évidemment les recettes moins les dépenses. Pour l'investissement, c'est la même chose. Nous avons des recettes moins les dépenses qui nous donnent un besoin de financement de 1 011 000. Ce qui nous fournit un résultat brut de clôture de 583,20 euros. Donc, ça me permet de rejoindre donc le compte administratif. En fait, le compte administratif, il est en parfaite concordance avec le compte de gestion. La différence, c'est qu'on va rajouter tous les restes à réaliser. Donc, on reprend les premiers chiffres en fonctionnement 1 595 000 que l'on trouve en solde net dans notre fonctionnement. Nous reprenons le 1 011 000, mais là, nous allons rajouter les restes à réaliser aussi bien en dépenses et aussi bien en recettes. Et nous avons donc ici un besoin de financement de 717 000 euros. Ce qui nous donne un résultat pour 2020. Donc, si je fais la différence entre 1 595 000 moins 717 000, un résultat de 877 369 euros. Nous vous proposons de l'affecter, comme d'habitude, principalement au programme d'investissement. Toutefois, je voulais vous signaler que nous allons garder en réserve 70 000 euros pour Altigone, au cas compte tenu de la situation pandémique, nous devrions agir en sa faveur pour combler certains soucis. Voilà. Alors,
C'est bon ? Alors, notre budget. Alors, nous arrivons sur un budget global de 24 343 000 euros, dont 19 043 000 euros de fonctionnement et 5 300 000 euros d'investissement. Commençons par les recettes de fonctionnement. Donc, nous avons eu un réalisé de 17 millions en 2020 et un prévisionnel de 17,83 en 21. Alors, les recettes de fonctionnement sont réalisées, comme je viens de vous l'expliquer, à près de 17 millions en 20, s'élèvent à 17,80 en 21, soit une évolution globale de 4,9 par rapport à 2020, pardon, je vais un peu vite. Et si je voulais le mettre en miroir avec 2019, à 2,2. Et ce, principalement en raison de la crise du Covid. Donc vous remarquerez que les recettes de fonctionnement concernent 6 éléments majeurs. Les dotations Toulouse Métropole, la fiscalité directe, la fiscalité indirecte, les dotations et les participations, les autres produits de fonctionnement courant et les atténuations de charges. Nous commencerons par les dotations de Toulouse Métropole et je vais laisser Madame le maire vous présenter cette partie-là et particulièrement les éléments relatifs au nouveau montant d'attribution de compensation. Merci Alice. Donc là, en fait, j'ai quelques slides pour essayer de faire de la pédagogie sur la délibération 12 qui s'intitule « Approbation du rapport de la CLET du 16 février 2021 et des attributions de compensation 2021 ». Donc je vous avais dit qu'on vous présentait de la 8 à la 14. Donc là, je vous présente la 12, qui est en fait une délibération miroir de celle que l'on a votée en Conseil métropolitain le 1er avril dernier. Donc le premier transparent vise à expliquer qu'un certain nombre de transferts de compétences ont été opérés entre les communes et Toulouse Métropole et qu'en retour, les recettes associées à ces compétences sont transférées aux communes sous la forme de l'AC, c'est la flèche du bas, dite attribution de compensation. Quel est le contexte et sur quoi avons-nous travaillé ? En fait, la compétence de déchets ménagers qui a été transférée, je ne me souviens plus en quelle année, mais il y a déjà pas mal de temps, fait l'objet d'un budget annexe au niveau de Toulouse Métropole et fait l'objet aussi d'une taxation qui s'appuie sur un socle qui est le foncier bâti. Donc le contexte est celui-là. La TOM, calculée sur la taxe foncière, fait l'objet d'un budget annexe. Ce budget annexe est en suréquilibre de 15 millions d'euros, ce qui n'est pas conforme à la loi. Et donc nous avons décidé à l'échelon métropolitain de réduire la TOM pour faire en sorte qu'il n'y ait plus de suréquilibre au niveau de ce budget annexe et qu'on puisse financer le budget général sur lequel on a, je vous le rappelle, autour d'1,8 milliard d'investissements sur les 5 ans qui viennent à l'échelon de la métropole. Donc il était urgent de prendre une décision, de ne pas laisser un budget annexe en suréquilibre et d'amener ce surfinancement dans le budget général. Nous avons, c'est le troisième point, un besoin de financement de la PPI Toulouse Métropole qui fait qu'on a comme objectif d'équilibrer le budget annexe, c'est la loi qui nous l'impose, et d'harmoniser la TOM à l'occasion de l'exercice que je vous commente là. Harmoniser la TOM alors que, comme vous le savez, il y a une grande hétérogénéité de taux. On y avait travaillé au précédent mandat. On l'avait un peu amélioré l'hétérogénéité, mais il restait encore de nombreux paliers. Comment ? L'objectif étant un taux moyen unique sur l'ensemble de la métropole, donc on parle là bien de la TOM à 8,10, et la compensation de la baisse du taux de TOM pour récupérer ces fameux 15 millions par une hausse du taux de la taxe foncière de Toulouse Métropole pour contribuer, comme on l'a vu, au financement des investissements métropolitains. Donc ce schéma vise à vous dire que le foncier bâti 2020 de la métropole qui était à 16, avec donc cet objectif de transfert de 15 millions, on a recherché quel était le taux optimal pour Toulouse Métropole et les communes. Et c'est une progression du taux du foncier bâti pour venir compenser la baisse de la TOM.
d'un montant de 7,24 qui a été voté et décidé. Je continue. Ce taux moyen unique de 8,10, je vous rappelle que nous étions à 11,20. Donc cette baisse de la TOM, les citoyens saint-oranais payaient 11,20 de TOM. Cette baisse à 8,10 contribue à un impact sur les recettes de ce budget annexe de 15 millions d'euros. Cette compensation de la baisse de la TOM a dû proportion par une hausse du taux de la taxe foncière. Donc de 5,95 à 13,20, on retrouve là les plus 7,24 qui ont été délibérés à l'échelon de la métropole, amène une recette de 85 millions d'euros. Pour quelle raison, alors qu'on avait besoin de 15 millions pour compenser, a-t-on généré 85 millions ? Tout simplement parce qu'il y avait une telle hétérogénéité de taux qu'il fallait impérativement trouver le taux qui permettait à toutes les communes de ne pas avoir à toucher, s'ils le souhaitaient, à leur foncier bâti municipal. On enchaîne. Donc, ces 85 millions, ils se décomposent en 15, qui abondent le budget principal de la métropole, comme je pense l'avoir expliqué, et 70 millions de plus, que, évidemment, nous avons décidé de répartir dans toutes les communes de la métropole à hauteur de 70 millions, et ce qui correspond pour la commune de Saint-Aurens à une attribution de compensation augmentée de 777 000 euros. En conclusion, par la baisse du taux de TOM et par l'augmentation des taux de foncier, les 15 millions de suréquilibre passent donc, comme on le voulait, du budget annexe au budget général de Toulouse Métropole pour être conforme à la loi. De par les disparités de TOM actuelle et la volonté d'avoir un taux unique à l'échelon métropolitain in fine, l'augmentation du foncier bâti a engendré mécaniquement une augmentation de recettes supérieure aux 15 millions qu'il a été décidé de redistribuer aux communes. Et donc, c'est par cette augmentation de la C de 777 000 euros que cette redistribution aux communes pour la commune de Saint-Aurens s'opère. Donc, pourquoi j'ai pris la parole sur cette délibération ? Donc, c'est une délibération miroir à celle de, comme vous avez pu le voir dans le document qu'on vous a envoyé, pour lequel on a délibéré donc le 1er avril à Toulouse Métropole. Mais l'idée était de vous commenter ces 777 millions, puisque quand on va reprendre maintenant le rythme de présentation du budget, Alice va vous présenter des chiffres qui intègrent ces 777 millions en recettes. Ce n'est pas des millions, c'est des milliers. Oui. Pardon. Non, pas malheureusement. Non. Voilà, ouais. Tout le monde. Alors, non, c'est enregistré. Okay, on ne sait jamais, quelqu'un qui pourrait penser qu'on parle de 777 millions. Mais comprenez, à la métropole, on porte 1,8 milliard d'investissements. Alors voilà. Non. Pardon pour cette erreur. C'est bien 777 milliers d'euros. Donc, je redonne la parole à Alice, qui continue d'enchaîner avec les recettes. Merci, Madame le maire. Donc, nous abordons le thème de la fiscalité directe. Et nous allons vous présenter de nouvelles slides sur les votes des taux 2021. Alors, vous n'êtes pas sans savoir que la taxe d'habitation est supprimée sur les résidences principales, mais elle est maintenue sur les résidences secondaires. Alors, à ce sujet-là, je voulais vous dire quand même que c'est pas un petit delta, parce que sur notre territoire, nous avons 211 résidences secondaires et qui nous génèrent 88 000 euros de produits fiscaux. Donc, c'est important de le dire. Alors, donc, on maintient cette TH sur les résidences secondaires. Cette suppression va être compensée par l'État. C'est-à-dire que pour les communes, on va avoir un transfert de la taxe foncière du département vers nous et qui sera corrigé si le montant du foncier du département est supérieur à ce qu'on aurait dû avoir au niveau de notre TH. Donc on a calculé un coefficient correcteur qui est de 0,95%. Voilà. Donc ces transferts de taxes foncières du département seront
corrigé à 0,95% pour qu'on soit au même montant que la taxe d'habitation qu'on aurait dû recevoir normalement. Pour votre information, les intercommunalités et les départements, eux, pour ne pas subir de manque, percevront donc un transfert de l'État, mais d'une part de la TVA. Mais ça, c'est un autre domaine. Donc. Alors, conséquences sur les taux communaux en 2021. Donc, eh ben, évidemment, pas de taux de taxe d'habitation. Nous avons le taux de la ville qui est à 19,86, donc inchangé. Et le taux de foncier bâti cumulé département qui est de 21,90. Donc nous avons un taux de ville pour 2021 de 41,76%. Voilà, donc cela reste identique à 2020. Une autre information peut-être devrais-je vous dire, c'est que le taux de la TOM qui est passé donc de passe de 11,20 à 8,10, soit moins 3,1%, donc une baisse de 28% par rapport à 2020. Voilà, j'en ai fini pour ceci. Alors, par ailleurs, je vous précise qu'en raison de l'absence de notification des éléments fiscaux avant la fin de ce travail budgétaire, le budget intègre un produit fiscal estimatif. Donc, nous venons d'avoir la notification et nous procéderons à des ajustements en temps et en heure en décision modificative. Voici pour la fiscalité directe. Je passe à la fiscalité indirecte, principalement des droits de mutation, 426 000 en 2020 et 500 000 en 2021, et la taxe locale sur la publicité extérieure, la TLPE, qui est reconduite à 130 000 euros. Alors, à ce sujet, je voudrais donner la réponse à M. Givaja, qui nous avait posé une question la fois passée. Vous vous souvenez ? Vous nous aviez demandé... Voilà, alors là, vous l'avez in extenso, donc vous avez toutes nos entreprises avec les montants TTC de TLPE. Ça correspond à votre souhait ? Génial. Le document, on peut le communiquer ? Pas entendu, pardon ? Est-ce que le document sera communiqué ? Oui, alors, qui note que ce document doit être communiqué sous 48 heures ? Non mais c'est nous parce que y a la bonne volonté a fait des fois ça ne suit pas, donc il y a deux choses pour l'instant qui est notée, c'est qu'a demandé Rachida le profil de poste et en même temps tous les transparents qu'on vous présente aujourd'hui, donc c'est Séverine et ou Monsieur Bus qui vous les envoyons dans 48 heures. Bien, quatrième bloc, dotation et participation. Elles se sont élevées à 2 128 000 en 2020 et elles sont prévues à 1 648 000 pour 2021. Donc, vous remarquerez une hausse conséquente, hein, puisqu'on est à moins 22,5%. Donc, il s'agit principalement de la DGF. Cette DGF est fixée par l'État et elle évolue en fonction de la population et de l'effort de solidarité financière qui est demandé aux communes en fonction de leur richesse fiscale. Cependant, grâce à l'augmentation de notre population, puisqu'on compte 700 personnes supplémentaires, la DGF est maintenue à son niveau de 2020. Son montant vient d'être publié et est conforme à l'estimation. Dans ces dotations et participations, alors les participations, elles se sont élevées à 1 270 000 en 2020 et elles sont prévues pour 2021 à 937 000. Vous notez une baisse de moins 26% par rapport à 2020 et de 33%, donc un tiers de moins par rapport à 2019. Alors, ces recettes sont largement impactées par la situation Covid. Alors, je vous rappelle que sa principale subvention provient de la CAF, que la CAF fonctionne en fait en deux temps, c'est-à-dire qu'on a l'acompte sur l'année en N et on a le solde en N plus 1. Donc, cette année, en fait, on a reçu tout ce que nous devions percevoir. Donc, nous n'aurons pas de solde. Et donc, il faudra faire avec ce que l'on a. Voilà. Alors, l'acompte, par contre, 2021 sera calculé ensuite par la suite en mixant 2020 et 2019. Par ailleurs, quand même, bonne nouvelle, on a obtenu des remboursements qui sont liés à la crise du Covid, hein, et une aide exceptionnelle de la CAF pour 162 000 euros.
le remboursement de l'État pour l'achat des masques et à la marge une mise en, et un remboursement aussi pour la mise en place du 2S2C. Avant-dernier bloc, l'atténuation de produits. Donc 1 464 000 en 2020, 1 937 000 en 2021, qui concerne deux choses. Donc les produits des services qui sont liés à la facturation aux usagers des activités, alors petite enfance, restauration, école de musique, etc. Et bien évidemment, ils ont chuté du fait de la baisse de la crise sanitaire. Du fait de la crise sanitaire, pardon. Et enfin, les produits du domaine qui concernent les baux. J'entends par là la poste, la gendarmerie, les halles de Gameville, etc., les locations de salles, et enfin le reversement Altigone, qui reste inférieur, toujours pareil, puisque en raison, malheureusement, de la fermeture à ce jour de cet équipement. Dernier point, constitution de provision. Ah oui, pardon, excusez-moi, je vais un peu vite. Les atténuations de charges, soit les remboursements de l'assurance du personnel. Donc, nous avons encaissé 414 000 euros en 2020 et nous prévoyons 386 000 pour 2021. Mais bon, cette recette est aléatoire puisqu'elle dépend d'éléments extérieurs. Donc, pour l'instant, nous l'envisageons ainsi. C'est bon pour là ? C'est bon ? Ok. Voilà pour les recettes. Nous passons aux dépenses. Alors, elles ont été réalisées, comme vous pouvez le voir, à 15,15 millions d'euros en 2020. Et nous avons un prévisionnel de 16,95 millions d'euros pour 2021. Ce qui nous fait... ce qui nous fait une évolution globale de plus de 4,3% par rapport à 2019. Premier point, alors là, pareil, hein, charge à caractère général, charge du personnel, autre charge de gestion courante, atténuation de produits, constitution de provisions. Alors, les charges à caractère général, 3 848 000 en 2020, 4 967 000 prévues en 2021, donc à la hausse. Ces charges ont été fortement impactées par la crise sanitaire. Hein. C'est ce qui explique cette différence. Il s'agit de tous les moyens qui sont nécessaires à la mise en œuvre de services publics. J'entends par là l'entretien des équipements communaux, la restauration, le parc automobile, la téléphonie, la LSH municipale aussi qui est ouverte depuis l'automne, etc. Les charges du personnel maintenant. Bah, comme d'habitude, c'est toujours les charges qui sont les plus importantes. Hein. 9 926 000 en 2020 et qui sont prévues donc à 10 356 000 en 2021. Et là, je vais donner la parole à Pierre hein, qui va nous apporter quelques éclairages. Merci Alice, c'est une présentation très claire. J'espère que je vais être aussi clair que toi, mais je n'ai pas de transparent. Oui, il y avait une question... lors du dernier conseil municipal concernant le régime indemnitaire. Je pense que c'était M. Givaja aussi qui avait posé la question. Parce qu'on avait réalisé au 31-12 de 1 054 et la trajectoire 2021 était à 764-203, ce qui était un peu surprenant. Donc, mais le périmètre était différent. Donc si on ramène le périmètre à périmètre identique, on rajoute donc les primes annuelles qui sont à 239 000, je vous laisse les centimes, hein, et les heures sup, à 56 000, on arrive sur une trajectoire pour 2021 d'1 060 000, donc à peu près équivalent à ce qu'on avait prévu ce qu'on a réalisé en 2020. Donc ça, c'était pour répondre à la question sur l'évolution du régime indemnitaire. C'est bon ? D'accord ? Parfait. Merci. Merci Pierre. Alors, en ce qui concerne, donc, je continue les charges de personnel. Alors, la masse salariale, donc 9 092, hein, donc bien évidemment, elle évolue en fonction des mesures catégorielles qui sont décidées par la loi de finances, donc on n'a pas la main dessus. Elle évolue en fonction de l'évolution des carrières, des différentes cotisations, l'URSSAF, caisse de retraite, etc., etc., mais aussi des choix internes de gestion. Elles comprennent également l'assurance du personnel,
407 000 qui évoluent bien sûr en fonction de la masse salariale et de la sinistralité. Pour 2021, elles évoluent également du fait des évolutions statutaires, comme vous le savez, de la revalorisation de certains régimes indemnitaires et de recrutement nécessaires à la mise en œuvre de nos politiques publiques et de notre organigramme. Troisième point abordé, les autres charges de gestion courante. 1 452 000 réalisés en 2020 et 1 440 000 en 2021, donc légère baisse. Alors ce sont les subventions de fonctionnement aux associations locales, aux coopératives scolaires, aux COS, etc. Ce sont également la subvention d'équilibre au CCAS, qui est en baisse par rapport à 2020, bah, dans la mesure où les résultats du compte administratif CCAS ont été excédentaires et que par voie de conséquence, ça n'a pas impacté la reconduction de notre intervention. Autre point, les contributions au SICOVAL au titre des frais de gestion des équipements sportifs des CATCO. Il nous reste aussi le maintien à domicile des aides ménagères. Il nous reste aussi, c'est notre dernière année de participation aux frais de fonctionnement de la Caprice. Et enfin, la participation au SDEG pour les travaux sur le réseau électrique. Et enfin, la réhabilitation de la décharge de Drémil. Quatrième bloc, l'atténuation de produits. Donc, il s'agit de la FPIC pour un montant de 90 000 euros. Son montant n'est pas notifié à la commune, mais le budget n'a pas augmenté l'enveloppe globale. Donc, le même montant de 2020, il est reconduit en 2021. Deuxième point, c'est la pénalité SRU, quant à elle, qui est déjà notifiée. Alors, elle s'élève à 92 800 euros. Alors, c'est une bonne nouvelle parce qu'on a une baisse quand même de 18 000 euros par rapport à 2020. C'est-à-dire que le nombre de résidences principales a progressé de 454 logements. L'augmentation de nos logements sociaux est de 147. C'est-à-dire que si vous vous ramenez au prorata, c'est l'année dernière, lorsque vous avez trois logements de résidence principale qui sont sortis de terre, vous aviez un logement social qui sortait de terre en parallèle. En conséquence, donc les taux des logements sociaux retenus pour 2021 est de 15,61%, ce qui est un réel progrès puisque nous étions à 14,28% l'an passé. Dernier point, constitution de provisions. Compte tenu des ressources et des investissements sur 21, il est prévu de faire une provision de 500 000 euros pour financer les grands projets du mandat. Vous savez que nous sommes dans une année qui est très aléatoire, donc cette provision est un acte de prudence dont on peut avoir besoin à tout moment. Voilà pour les dépenses de fonctionnement. Alors, la dette. Alors, vous remarquerez sur ce slide deux choses, la nuitée et les encours. Non, je n'ai pas encore l'encours. Je vais trop vite. Alors, la dette, donc, elle a été réalisée à 1,38 million en 2020, et nous avons un prévisionnel de 1,48 million donc pour cette année. Donc, elle concerne la nuitée. Alors, la nuitée, qu'est-ce que c'est ? C'est ce que l'on doit par an, comme son nom l'indique. C'est notre remboursement en intérêt et en capital. Alors, en 2020, la nuitée, elle s'est élevée à 1 382 000 et elle est évaluée à 1 479 000 pour 2021. En ce qui concerne l'encours, c'est autre chose, c'est le stock des emprunts. Donc, il était au 1er janvier 2020 de 10 446 000. Il est de 10 062 000 au 31 décembre 2020, donc entre ce 1er janvier et ce 30 décembre 2020, et au 1er janvier, donc 21. Au 31 décembre 21, dans la mesure où on n'a prévu aucun emprunt cette année, l'encours sera de 9 820 000 euros.
Je voulais aussi vous rappeler que, pour rappel, que nous avons des emprunts majeurs qui tombent à échéance, notamment l'emprunt de 2005 et celui de 2015, qui refinançaient d'anciens emprunts et qui s'éteignent l'année prochaine en 2022. Donc, ce qui fera qu'on va gagner 258 000 euros d'annuité. Également les emprunts de 2007 et de 2008 qui étaient à des taux qui étaient supérieurs à 4,6 et qui s'éteignent en 2025. Et là encore, nous allons gagner 389 000 euros d'annuité. Recettes d'investissement. Alors, les recettes d'investissement, elles ont été réalisées à 4 970 000 en 2020 et nous avons un prévisionnel de 3 250 000 euros. Donc des baisses. Et oui. Alors, premier point, donc là pareil, plusieurs blocs. Le premier, c'est le FCTVA. Donc 1 018 000 en 2020. Vous savez que le FCTVA est calculé sur les deux années précédentes. Hein. Donc 1 018 000, c'est sur les investissements de 2018. Et en 2021, c'est 1 279 000 sur les investissements de 2019. D'accord ? Alors, ce sont des montants importants, mais bon, ils correspondaient à l'achèvement des opérations du mandat précédent. Les subventions. Alors, les subventions, je ne rentre pas dans le détail. Vous avez tout dans le détail, page 12, sauf erreur de ma part, dans votre rapport. Donc, en 2020, ont été encaissés 466 000 euros, décomposés comme suit. Alors, 455 000 pour la MAM du CNES et du département et 10 000 euros de la part du Sénat pour les locaux du Secours populaire. Voilà. Il reste à encaisser 453 000 euros. Et il s'agit des subventions pour le remplacement des soldes de Catala, pour la MAM et pour la MPE. Pour 2021, les subventions prévues, c'est celles que nous vous avons présentées lors du débat d'orientation budgétaire le mois passé, à savoir pour la réhabilitation du château et de la halle Catala, 250 000 euros qui nous proviennent du département et 570 000 euros qui nous proviennent de la DSIL. Pour les travaux des écoles, 26 000 euros et pour les travaux de la MPE, 20 000 euros de la CAF. En ce qui concerne les cessions, troisième bloc, 620 000 euros que nous avons encaissés en 2020 et 388 000 prévus en 2021. Donc en 20, vous le savez, on en a déjà parlé, c'est le lot A de Repsol, c'est les deux bandes de terrain et la vente d'un véhicule sur web enchères. En 2021, nous avons trois cessions qui sont prévues. Le terrain qui est situé 5 rue de Nazan pour un montant de 200 000 euros, pour lequel nous allons délibérer dans quelques instants. Un terrain qui est adossé au cimetière de Nazan pour la réalisation d'un funérarium, je vais y arriver, pour 185 000 euros. Et une bande de terrain 9 rue Taparot pour 2 200 euros. Les emprunts maintenant. Alors, l'emprunt de 2020, qui était contracté pour 1 million, a été encaissé uniquement à hauteur de 800 000 euros, c'est-à-dire que nous avons perçu le solde le mois dernier de 200 000 euros, d'accord ? Et il est réalisé sur le budget. Dernier point, l'affectation en réserve. C'est ce que nous avons vu tout à l'heure avec le résultat du compte administratif, hein, donc c'était la slide numéro 2. Il était de 2 067 000 en 2020 et comme vous avez pu le voir tout à l'heure, il s'élève à 717 000 euros en 2021. Dernier point, les dépenses d'investissement. Alors, les dépenses réelles d'investissement hors dette se sont élevées à 3 019 000 en 2020 et à cela s'ajoute les restes à réaliser, bien sûr, de 359 000 euros qui ne sont pas payés à la clôture du budget 2020, mais qui seront payés en 2021. Alors, pour le programme d'investissement 2021, on prévoit 2 324 000 euros de dépenses. Avec les restes à réaliser de 2020, les dépenses seront de 2 683 000. Alors,
Ces dépenses se déclinent en 6 axes qui sont indiqués sur le tableau. Donc, les projets de l'ancien, du mandat précédent. Donc, il s'agit principalement de ce qui nous reste à faire. Donc, l'aménagement du cœur de ville, il reste quelques reliquats de la MAM et il reste 51 000 euros en reste à réaliser. En 2021, c'est le solde du fonds de concours à Toulouse Métropole pour le cœur de ville. Donc ça, c'est ce qui nous restait du mandat précédent. Maintenant, les projets structurants du mandat, ce sont les aménagements nécessaires qui ont été faits et qui ont déjà été réglés en 2020 pour 13 000 euros. Et il nous reste 21 000... Qu'est-ce que j'ai dit ? Ah oui, pardon, excusez-moi, j'allais un peu vite. Donc, les aménagements nécessaires à la plantation de la forêt urbaine qui ont été réalisés pour 13 000 euros. Et donc, il nous reste 21 000 euros sur notre année 21. En 2021, également, ce sont les crédits qui sont inscrits pour les phases d'études de notre de nos quatre grands projets, donc Catala, Masso, 4e groupe scolaire et Altigone, ainsi que certains travaux d'entretien sur Altigone, et ce, pour un montant de 396 000 euros. Les interventions sur le patrimoine, donc ça, c'est les travaux d'entretien de tous nos équipements. Donc, en 2020, par exemple, il y avait la création de deux préaux à l'MPE, l'aménagement d'un quai de déchargement à côté du CTM, l'implantation de deux city-stades. En 21, les travaux principaux concernent le remplacement des sols de Catala, la réfection de l'étanchéité des coursives à Catala, etc. Le réaménagement de la mairie annexe et la requalification des espaces publics. C'est comme à l'école. Non, non, j'attends qu'il ait fini de parler. Si vous voulez bien, j'aborderai le point numéro 4. Donc, les fonds de concours qui correspondent aux travaux effectués par le SDEG sur les éclairages publics. Catala, lycée Laurier, ainsi que l'effacement des réseaux aériens de télécom. En cinquième point, les moyens généraux. Donc, c'est tous les moyens informatiques, équipements techniques, interventions sur le parc auto, les matériels, le mobilier, etc. etc. Et enfin, les acquisitions foncières. En 2020, il s'agissait de l'acquisition du bois du Bousquet et de ses frais d'acte associés, bien sûr, ainsi que les frais d'acte pour l'acquisition du terrain plante. Voilà, je vous remercie de votre attention et de votre écoute. Grand merci, Alice. Donc, 7 délibérations vous ont été commentées, de la 8 à la 14. Et donc, la parole est aux élus pour des questions. Nous vous écoutons. Olivier Artero. Merci, Madame le maire. Ça va être une question pratico-pratique, comme disait un certain directeur que j'ai bien connu. Juste une question. Avez-vous fait une estimation de l'augmentation de l'impôt foncier pour les Saint-Oranais en moyenne quoi. Est-ce que ça, on peut avoir ce chiffre d'augmentation? Oui, on a fait même 3 estimations. En fait, on a pris... des foyers avec une valeur locative égale à la moyenne de la ville, des foyers avec une valeur locative inférieure à la moyenne de la ville et des foyers avec une valeur locative supérieure à la moyenne de la ville. Et en fait, on va de 59 euros au global, hein, donc, c'est-à-dire foncier bâti augmenté moins baisse de la TOM. On passe au médian à 90 euros par an, hein. Donc 59 euros, 90 euros et 140 euros au maximum donc pour les foyers dont, la valeur, qui habitent dans une propriété dont la valeur locative est supérieure à la moyenne de la ville. Oui, Olivier Artero. Oui, là, c'est la tome là, qui m'embête. Là. Est-ce que ça va se répercuter tous les ans? Est-ce qu'on va faire ce calcul tous les ans ou pas?
Alors, ce calcul est fait une fois pour toutes. Une année, et on va donc rester avec des taux harmonisés. Donc, on est assez content à l'échelon métropolitain d'être arrivé à harmoniser les taux. Voilà. Et donc, ça génère cette baisse de la TOM, une augmentation du foncier bâti, mais une fois pour toutes. Et après, tout cela va rouler. Sauf que les communes pourront toujours toucher ce que nous n'avons pas fait et décider de ne pas faire. Mais les communes pourront toujours toucher sur le foncier bâti comme sur le foncier non bâti. Mais à part ça, à l'échelon métropolitain, on a vraiment harmonisé avec une volonté de ne plus y toucher. Y a-t-il d'autres questions, remarques sur ces 7 délibérations ? Gauthier Givajard. Pardon. Merci Madame le maire. C'était juste pour bien comprendre, si j'ai bien à la fois suivi et saisi, donc la taxe foncière de la métropole qui augmente en passant de presque 6 à presque 13, on en arrive à des Saint-Auranais qui paieront plus d'impôts sur la part métropolitaine, ce que j'ai bien entendu. Vous l'avez indiqué, donc c'est entre 59 euros par an et 140 euros par an, ce que vous avez calculé, si j'ai bien entendu également. Attendez, point 1, oui. Oui. Point 2, non, 59 oui. À... 140. À 140. Oui. Voilà. Ça. Donc pour les propriétaires non occupants, étant entendu dimension fondamentale, je vous demande d'intégrer dans votre réflexion que la taxe d'habitation ayant disparu, on n'en parle plus, mais elle vient en déduction de ces 59 euros par an à 140 euros par an, bien sûr. Donc pour les propriétaires, là, non occupants, dont nous parlons là, parce que les occupants, ils ont la taxe d'habitation qui est finalement enlevée de ces montants-là. Mais pour ne pas créer de la confusion, on ne parle là que du foncier bâti, donc on ne s'adresse là qu'aux propriétaires. On va prendre un locataire, il va avoir sa taxe d'habitation supprimée, et il ne va pas du tout voir sous tout ce dont on parle là. On est d'accord, c'est juste pour clarifier, parce que je ne l'avais pas dit tout à l'heure. Allez-y, on vous écoute, monsieur Givaja. Peut-être juste une troisième question. Je m'interrogeais sur la possibilité, je ne sais pas s'il y a des mécanismes qui existent, mais de neutraliser, notamment pour les personnes qui, cette année, auront à payer plus de taxes foncières du fait de l'augmentation de la métropole, de neutraliser, sachant que la commune de Saint-Aurens va avoir cette somme-là de 777 000 euros qui va lui être versée. Et donc, j'imagine que ça aurait pu être une... Enfin, j'imagine d'ailleurs que ça a été une réflexion que vous avez eue et un choix politique qui a été effectué. Du coup, ça aurait été pour un peu mieux le comprendre. La réponse est oui. Je vois. Parce que dans votre question, il y a la réponse. C'est un choix politique et qui est pour nous, qui ne concerne encore une fois que les propriétaires et qui nous apparaît comme étant relativement indolore quand on parle de 50 euros à 140 euros par an pour des propriétaires de maisons ou d'appartements sur la commune. Et d'autre part, par rapport aux engagements que nous avons toujours pris, si vous êtes intéressé à nos engagements au précédent mandat comme à celui-là, nous nous sommes toujours engagés à ne pas augmenter les taux communaux, mais nous nous sommes aussi engagés, ce qui était courageux, à ne pas les baisser. Précédent mandat, Toulouse Métropole a aussi augmenté ses taux et on avait dit qu'on ne les baisserait pas. Pourquoi ? Et vous m'avez déjà entendu tenir ces propos, c'est-à-dire que si on avait une visibilité à 3 ans, 5 ans, 10 ans, plus claire que celle que l'on a aujourd'hui, pourquoi pas se poser la question ? Mais aujourd'hui, faire le choix de baisser les impôts, alors qu'on s'est toujours engagé à ne pas y toucher à la baisse, alors qu'on a quand même un certain nombre d'incertitudes, encore une fois, avec des élections présidentielles, avec une société qui évolue, des modes de gouvernance qui évoluent, on a fait le choix politique de sécuriser ce montant, de tenir nos engagements, de ne pas toucher à la fiscalité locale, et considérant, encore une fois, que les propriétaires, effectivement, vont bénéficier de la TOM, de la réduction de la TOM, et par contre vont devoir payer un tout petit peu dans les montants qu'on vient de vous indiquer. Donc oui, c'est un choix politique et une réflexion que l'on a conduite. D'autres questions, d'autres remarques ? Oui, Gauthier Givaja. Du coup, je me permets. L'autre remarque, bon là on était plus sur la TOM, l'autre remarque c'est plutôt donc, concernant le budget primitif 2021. C'est vrai que c'est un gros travail qui a été effectué par les services notamment, et je remercie Madame Dignac en commission, on a un certain nombre d'éléments qui nous ont été apportés, et là encore par Madame Valera. L'idée c'était davantage d'avoir une vision un peu plus exhaustive ou un peu plus panoramique du budget. C'est vrai que là on est vraiment dans une mécanique qui est quand même très, très financière,
sur ce budget-ci. Effectivement, on est sur un budget. Mais j'ai quelques difficultés parfois à reprendre pied avec la réalité à Saint-Aurens. C'est-à-dire qu'il y a un certain nombre de sommes, il y a un certain nombre de dépenses, de recettes, etc. Ça montre effectivement des orientations et des dynamiques, ce qui est une bonne chose. Mais quand je prends à côté le document guide des politiques publiques, par exemple, qui est un document qui est assez exhaustif aussi, c'est vrai que j'ai du mal à recroiser les deux. Il y a un certain nombre d'orientations, un certain nombre d'éléments qui sont proposés dans le guide des politiques publiques et qui donnent à voir aussi une coloration de ce que peut être la commune telle que vous la proposez, en tout cas. Et dans le budget, je n'ai pas forcément le niveau de détail, sans aller forcément dans la précision, mais je n'ai pas forcément les tiroirs qui sont accessibles pour un peu mieux comprendre ce qui va être fait au réel, sur 2021 par exemple, en matière de santé, en matière d'alimentation, en matière de modernisation de l'administration. Il y a un certain nombre de tiroirs effectivement qui sont accessibles par ce budget, mais il manque cette coloration-là qui donne vie et qui fait qu'à l'heure actuelle, en l'état actuel des choses en tout cas, je peine un peu pour ma part à voir sur 2021 ce que va donner cette commune, comment est-ce qu'elle va avancer, comment est-ce qu'elle va déployer les politiques publiques qui sont recensées dans le guide, mais là j'ai du mal à les voir apparaître. Alors, c'est une très bonne question, d'autant qu'un budget, ça n'est rien d'autre que la déclinaison opérationnelle et financière de politiques publiques. Donc, je ne sais pas à quoi vous faites allusion quand vous disiez que Séverine Dignac avait fait une présentation en commission qui n'a pas été faite là. On pourrait tout à fait vous la refaire. En tout cas, on n'a rien à cacher en la matière. Ah, c'est pas ça, d'accord. Ah non, c'était que ça venait compléter. Oui, donc, OK, sur évidemment le fait que donc un budget, ça vient mettre en œuvre en fait des politiques publiques. Donc, moi, je peux, comme ça, spontanément, vous décrire ce que va être notre année. C'est une année, et vous l'avez compris, dans laquelle la pandémie, on n'en connaît pas la durée. Donc, très peu de dépenses en fonctionnement vont être démarrées ou facturées en 2021. On a décidé de ne pas emprunter. On a décidé d'observer, parce qu'on est encore en pandémie et qu'on est dans des années pas faciles. Et on verra bien, encore une fois, si effectivement on en sort dans les deux mois qui viennent grâce au vaccin. Et c'est une année dans laquelle on va peu dépenser en fonctionnement, malgré les 770 000 euros qui nous arrivent. J'espère qu'il ne vous a pas échappé que sur les 770 000 euros en plus, puisque le budget est équilibré sans ces 770 000 euros. Donc on en a mis 500 en provision. Donc là, voilà, on fait le petit écureuil avec 500 000 euros. 200 000 euros en investissement cette année, parce que malgré tout, on va investir cette année, et démarrer des projets. Donc ça sera toujours en moins de ce qu'on empruntera en 2022, puisqu'on n'empruntera pas en 2021. Et on a mis 70 000 euros de charges diverses au cas où on aurait des dépenses supplémentaires en Covid qui ne soient pas compensées comme elles l'ont été en 2020 par le gouvernement. Donc c'est une année un peu particulière où, oui, je comprends que vous disiez que vous ne voyez pas de façon très claire par rapport au guide des politiques publiques, est-ce qu'il va véritablement donner lieu à dépenses ou pas. Sur le plan des investissements, dans le cadre de la PPI, vous devez y voir, peut-être pas aujourd'hui, mais dans la présentation que je vous ai faite de la PPI, y voir très clair. Par contre, sur le plan du fonctionnement, ce qu'on peut vous dire, c'est que l'année dernière, que ce soit le TIGON ou le CCAS, on a eu une subvention d'équilibre. C'est pour ça que je vous explique les 70 000 euros qui ont été inférieurs à le TIGON à ceux qui étaient prévus. Donc la commune a économisé en 2020 les 70 000 euros. Et on a un engagement moral vis-à-vis d'Altigon. Si cette année, il y avait besoin de ces 70 000 euros, c'est pour ça qu'on ne les a pas mis, comme vous l'avez vu, à l'investissement. On les a mis de côté en disant, si Altigon en a besoin, si on repart, eh bien, on a ces 70 000 euros qu'on a épargnés en subvention d'équilibre. Pour le CCAS, pareil, je pense qu'on a démontré dans l'année 2020 que la solidarité, elle était au cœur de notre projet. Pour autant, le CCAS, la subvention que l'on a donnée en 2020, elle est inférieure à ce que l'on avait budgété. Donc on va continuer sur cette voie-là, une voie économe, une voie où, malgré tout, on sait dépenser quand il s'agit du bien-être des gens, mais une année dont on n'a pas autant de clarté qu'on a pu avoir pendant les années passées. Donc beaucoup de prudence, peu d'engagement de dépenses. Tous les projets qu'on va lancer, ça va être des projets qui vont être peu onéreux en fonctionnement. Et par contre, si vous l'appelez de vos voeux, parce que c'était quelque chose qu'on faisait autrefois, mais on avait l'impression que ça ne présentait pas d'intérêt pour l'auditoire, c'était des sortes de camembert dans lesquels on voyait d'une année sur l'autre ce qu'on investissait sur l'éducation, ce qu'on investissait sur le social, ce qu'on investissait sur le sport, etc. Donc on avait cette présentation à une époque
Puis force a été de constater que ça n'intéressait pas beaucoup. Alors du coup, on l'avait arrêté. Mais c'est vrai que pour nous, c'était intéressant de montrer la corrélation entre le budget et les politiques publiques. Voilà. Et pour plus de finesse, moi, je vous invite, parce que j'apprécie beaucoup que vous ayez parcouru ou lu le guide des politiques publiques, et dans un souci de transparence, de ne pas hésiter, indépendamment du conseil municipal, de nous demander de mettre à l'ordre du jour d'une commission plénière, par exemple, ou bien des rendez-vous indépendants. Qu'est-ce qu'on fait sur telle ou telle action qui vous est apparue comme devant être menée dans l'année 2021, nous demandant quels sont les budgets qu'on envisage d'y mettre dessus. Enfin, encore une fois, on est une vraie volonté de transparence. Mais c'est vrai que sur un budget, je le vois à l'échelon métropolitain ou mes collègues dans les autres communes, on ne descend pas à l'échelon de telle petite action qui va requérir 5 ou 10 000 euros cette année. Oui, effectivement, ce n'est pas lisible, mais il n'y aura pas de dépenses significatives en fonctionnement. D'autres prises de parole sur les 7 délib. Alors, on va les voter une à une. Il y en a une où je vais sortir et où ma collègue Georgette Perral va venir organiser le vote. Alors, la première, c'est la 8. Et la 8, elle vise à voter le compte de gestion pour un résultat brut de clôture 2020 de 583 503,20 €. Et donc, je vous propose de passer au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Oui, pardon, c'est la délibération numéro 8. C'est le compte de gestion pour un résultat brut de 583 503,20 €. Donc, qui est contre? J'entends pas ce qui m'est dit. Il y a quelqu'un qui parle? Page 27. Page 27. Ils avaient vu la 8, c'est bon. Qui est contre? Qui s'abstient? 7 abstentions. Donc, le compte de gestion est adopté à l'unanimité. Alors, c'est pour la délibération numéro 9 que je demande à Georgette Perral de venir présider. Donc, page 29, il faut lire à l'unanimité Georgette Perral, conseiller municipal et désigné pour assumer cette fonction. C'est notre doyenne. Sous la présidence de Georgette Perral, délibérant sur le compte de l'exercice 2020, etc. Et donc, je sors pour que Georgette organise le vote. On est sur la délib 9, page 29. Bien, nous passons donc maintenant à l'approbation du compte administratif 2020 du budget de la ville. Qui est pour, mais qui est contre? Qui est contre? Qui s'abstient? 7 abstentions. Donc, ce vote est adopté à l'unanimité. Je vous remercie et je vais faire revenir Madame le maire. À l'unanimité, non. À la majorité. À la majorité, veuillez m'excuser. À l'unanimité. C'est unanimité. Quand il n'y a que des abstentions, c'est unanimité. Allez. Donc nous passons à la délibération numéro 10. Qui vise à affecter les résultats 2020 au budget 2021. Donc on passe au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Donc... Oui, on a voté la 10. Ah non, vous vous abstenez sur la 10 aussi?
5 abstentions, 7 abstentions. Ok, merci. Sur la 10. Sur l'affectation des résultats, vous abstenez, hein. On passe à la 11, la fiscalité directe, le vote des taux d'imposition 2021, la stabilité de la fiscalité locale. Qui est contre ? 7 contre. Qui s'abstient ? Je vous remercie. La 12, approbation du rapport de la CLET du 16 février 2021 et des attributions de compensation 2021. Qui est contre ? Qui s'abstient ? Alors contre 2, qui s'abstient ? 5. Donc, on est donc sur la 12 qui est votée. Donc, vous voulez les noms de ceux qui y votent contre ? Vous les avez, parfait. 2 et 5. Alors, on passe au budget primitif 2021, la délibération numéro 13. Qui est contre ? Qui s'abstient ? Donc, 2 contre, 5 abstentions. Le budget primitif est donc 2021 est donc adopté. Délibération 14. Ah oui. Délibération 14. La constitution de provision pour les grands projets du mandat, les 500 000 euros de provision. Qui est contre ? Qui s'abstient ? 7 abstentions. La délibération 14 est votée à l'unanimité. On fait circuler les délibérations pour les signer et pour gagner du temps à la fin de notre conseil municipal. Nous passons à la délibération numéro 15 et c'est André Puy qui s'apprête à vous présenter la participation financière 2021, délibération 15 de la commune à la gestion des équipements intercommunaux, les 4 co. André, c'est à toi. Ah, c'est bon ? C'est bon. Bon, mais merci Madame le maire. Madame le maire rappelle à l'Assemblée la convention établie en 1994 portant sur la gestion des équipements intercommunaux par le SICOVAL pour le compte des communes d'Auziel, Escalquens, La Beige et Saint-Eau. Ces équipements sont aujourd'hui les suivants : piscine de Saint-Eau, gymnase Cassin et gymnase Prévert. Conformément aux termes de la convention précitée, la ville participe financièrement aux charges de fonctionnement et d'investissement relatives à chaque équipement. Le montant de la participation communale est calculé chaque année en considérant les éléments du budget primitif, budget annexe du SICOVAL, avec éventuellement une réactualisation en cours d'année ou en cas de décision modificative ou du budget supplémentaire. Les critères énoncés dans la convention, temps d'utilisation de chaque équipement, population INSEE. Afin de permettre le versement par les communes, par les 4 communes de leur participation, il convient que chacune délibère respectivement sur le montant annuel de leur contribution. En application de ces éléments, la participation de la commune pour l'année 21 est de 306 349 €. Bon, vous avez le tableau dessous. Vous voulez que je vous le... on n'est pas obligé. Si tel est votre avis, vous voudrez bien adopter la délibération ci-après. Merci, André. Des questions sur cette participation au CATCO ? Non, pas de questions. Je vous propose de la voter. On se concentre. On est sur la 15 qui est contre. Qui s'abstient ? Je vous remercie. C'est Agnès Mestre qui présente la 16. C'est la taxe locale sur la publicité extérieure, la TLPE, les tarifs 2022. Agnès, c'est à toi. Ah, là, celui-ci a l'air de fonctionner.
Oui, donc merci Madame le maire. Donc pour rappel, les modalités de la TLPE ont été fixées en délibération lors du conseil municipal du 31 mai 2011. Donc la ville de Saint-Aurens a fixé les tarifs des différents dispositifs publicitaires, alors enseignes et préenseignes, à 100% des tarifs maximaux non majorés et déterminés par l'article L 2233-9 du Code général des collectivités territoriales. La ville de Saint-Aurens a décidé d'exonérer donc les enseignes d'une superficie inférieure ou égale à 12 mètres carrés et d'exonérer les préenseignes numériques et non numériques d'une superficie inférieure ou égale à 1,5 mètre carré et de ne pas appliquer de réfaction. Les tarifs donc, sont relevés chaque année dans une proportion égale au taux de croissance de l'indice des prix de la consommation hors tabac de l'avant-dernière année, donc N-2. Le taux de variation applicable aux tarifs de la TLPE pour 2022 s'élève ainsi à 0,0%. Pourtant, les tarifs tels que définis dans le tableau ci-dessous, donc vous avez les détails en fonction des enseignes et des superficies, donc c'est-à-dire qu'en 2022, les tarifs ne vont pas augmenter puisque le taux de croissance de l'indice des prix est prévu à 0%. Voilà. Il est rappelé que la TLPE est recouvrée annuellement par la ville et qu'elle est payable sur déclaration préalable des assujettis. Il est proposé aux membres du conseil municipal de rester pour l'année 2022 sur les tarifs de 2021 non majorés. Si tel est votre avis, vous voudrez bien adopter la délibération ci-après. Merci Agnès. Des questions sur la délibération 16, la TLPE ? Pas de questions. Qui est contre ? Qui s'abstient ? Je vous remercie. On passe à la délibération 17. C'est Josie La Suspiga qui la présente. C'est l'approbation de la convention d'objectifs et de financement pour la prestation établissement d'accueil de jeunes enfants. Josie, c'est à toi. Merci Madame le maire. Donc effectivement, il s'agit d'approuver donc cette convention d'objectifs et de financement. Rappeler qu'elle va concerner la période de janvier 2021 à décembre 2024. Qu'elle se traduit par le versement d'une prestation de service unique et que la CAF est effectivement le principal soutien financier des établissements d'accueil du jeune enfant et qu'elle concerne pour notre collectivité la partie SAF, hein, le service d'accueil familial, et la partie du multi-accueil. Dire aussi qu'au cours de cette convention d'objectifs et de financement, il y a un objectif de la CAF de cibler entre autres deux types d'actions qui sont le bonus inclusion handicap. Savoir que sur la commune, on accueille entre un et deux petits qui sont effectivement, qui ont des besoins d'accueil spécifiques sur la collectivité. Et effectivement, le bonus mixité sociale, dont vous trouverez la déclinaison, qui se traduit par la favorisation de la mixité des publics, l'accessibilité des enfants, quelle que soit l'activité des familles, etc. Donc voilà. Merci. Des questions sur cette délibération ? Donc, on est sur la délibération 17, pas de questions. Qui est contre ? Qui s'abstient ? Je vous remercie. On passe à la 18, c'est aussi Josie La Suspiga qui la présente. C'est le renouvellement de la convention entre Saint-Aurens et Toulouse pour la scolarisation des enfants toulousains. Josie, c'est à toi. Merci Madame le maire. Donc là aussi, une convention qui permet d'organiser depuis 2012... l'accueil des élèves toulousains sur la commune de Saint-Aurens en l'absence effectivement de groupes scolaires aux abords des secteurs de Malepère et de la Marquessonne. Depuis 2019, Toulouse a maintenant son propre complexe scolaire avec Mayos qui a été ouvert. Donc la volonté de Toulouse est effectivement de remplir son école et effectivement de nous donner le moins de petits possibles, si ce n'est ceux qui ont des fratries. On a deux modes de fonctionnement de maintien des enfants toulousains sur la commune, c'est les fratries et la continuité pédagogique. Donc l'idée c'est de renouveler cette convention avec une différence sensible, c'est que jusqu'à présent, même si c'était quelque chose de bien particulier, Toulouse nous payait les frais de périscolaire. Désormais, effectivement, avec cette nouvelle convention, on est toujours dans des refacturations de frais scolaires, mais plus dans les refacturations, effectivement, de frais périscolaires. Mmh.
On va donc voter la 18. Il n'y a pas de question. Qui est contre ? Qui s'abstient ? Je vous remercie. On passe à la délibération 19. C'est Agnès Mestre qui la présente. C'est un avenant au contrat de prêt à usage avec Madame Béatrice Barter. Agnès, c'est à toi. Merci, Madame le maire. Donc, afin d'assurer l'entretien de ces réserves foncières dans l'attente d'aménagement futur, ça fonctionne, oui. La commune de Saint-Aurens a... Non, ça ne fonctionne pas. J'ai appuyé, oui, c'est vert. Donc, je reprends. Donc, la commune de Saint-Aurens a conclu un contrat de prêt à usage avec Madame Béatrice Barter par délibération numéro 168 en date du 6 novembre 2014. Ce prêt à usage à titre précaire et révocable permet à la commune de retrouver à tout moment la jouissance de ses biens pour la réalisation des aménagements pour lesquels ils ont été acquis. Dans le cadre de la plantation de la forêt de Tucard sur une surface de 6000 m², une modification des parcelles concernées par le contrat de prêt à usage est nécessaire. Donc, Madame le maire propose de signer l'avenant à la convention qui prévoit le retrait de la parcelle cadastrée BC61 et d'une partie de la parcelle cadastrée BC62. Si tel est votre avis, vous voudrez bien adopter la délibération ci-après. Merci. Des questions ? Donc, la délibération 19, qui est contre ? Qui s'abstient ? Je vous remercie. On passe à la délibération numéro 20. C'est Serge Job qui la présente. C'est la cession d'une parcelle située au 5 rue de Nazan à Saint-Aurens. Merci, Madame le maire. Bien, nous avions déjà parlé de cette parcelle, la 5 rue de Nazan, et nous en avons encore parlé très très récemment, puisque tout à l'heure, à l'occasion de la présentation du budget, on l'a encore cité. Donc, je rappelle que la commune est propriétaire d'une parcelle cadastrée BH171, d'une contenance d'à peu près 1000 m², qui est située 5 rue de Nazan. Cette parcelle comporte une ancienne maison de type lauragaise du 19e siècle d'environ 70 m² et d'un garage d'environ 15 m². La commune, n'ayant pas de projet sur cette parcelle et donc plus d'intérêt à conserver cette parcelle, souhaite la vendre. La maison faisant partie du patrimoine architectural de la ville sera conservée et rénovée. Monsieur Jérôme Servat, le cuisinier, qui avait un projet de restaurant gastronomique, avait d'abord été retenu pour l'acquisition. Mais il s'est désisté. Nous avons vu de très près avec le notaire et il a dit qu'il ne souhaitait pas poursuivre l'opération, la période étant très très difficile pour lui. La commune a donc recherché d'autres acquéreurs. Nous en avions en réalité d'autres en réserve. Monsieur et Madame Mandoul, Saint-Oranais, nous ont fait une offre en date du 10 mars 2021 au même prix, c'est-à-dire 200 000 euros pour cette propriété. Leur projet est de rénover cette vieille bâtisse en conservant son caractère architectural traditionnel, fenêtres en bois, volets en bois coloré, toit en tuiles type canal, afin d'en faire leur résidence principale. Ils le font avec le concours de l'architecte des bâtiments de France. En conséquence, le conseil municipal est invité à se prononcer sur cette cession et à autoriser Madame le maire à signer le projet d'acte, si tel est votre avis, etc. Merci. Oui, Sophie Bareille. Merci. Merci Madame le maire. Vous venez d'évoquer, monsieur, une recherche en disant une recherche d'acquéreur en disant nous en avions en réserve. Je voudrais savoir qu'est-ce que c'est qu'une réserve d'acquéreur, comment vous avez garanti une équité, comment on a tous été informés, cette remise en vente. Voilà, merci beaucoup Madame le maire. Bien, avoir des... Merci Serge Job. Avoir des acquéreurs en réserve signifie tout simplement que plusieurs personnes s'étaient présentées, je vous l'avais expliqué, et que nous avions choisi
celle qui nous, l'offre qui nous paraissait la plus intéressante, c'est-à-dire celle du cuisinier qui voulait en faire un restaurant gastronomique pour notre ville. Les autres étaient peut-être un peu dépités, mais n'avaient pas perdu espoir. Lorsque le cuisinier nous a dit qu'il ne souhaitait pas donner suite à son projet et qu'il ne pouvait pas le faire en réalité, nous avons donc contacté les seconds qui s'étaient portés, qui étaient très très intéressés et qui souhaitaient se porter acquéreurs. Les seuls au même montant. Et ça s'est passé sur le même montant. Voilà. C'était les seuls à ce montant-là. Ah oui, c'était les seuls à ce montant-là. Les autres étaient d'un montant inférieur. Merci. Mais je comprends pas. Excusez-moi, oui, pardon. Olivier Artero, puis mais Sophie Bareille ou Sophie Bareille Biol. Non, Olivier Artero. Merci, Madame le maire. Juste une question. Bon, je ne vais pas réitérer tout ce que j'ai dit là au dernier conseil municipal concernant cette transaction immobilière de niveau public. Bon, bref, ça va. Ça c'est autre chose. J'ai entendu dire, Monsieur Job, que vous avez pris engagement auprès de ce futur acquéreur, ce futur couple d'acquéreurs, de rénover en totalité ce bien, en gardant, bien entendu, le patrimoine, en rénovant le patrimoine existant. J'entends. Moi, ce que j'aimerais aussi savoir, c'est, dans ce cas-là, vous êtes en pleine comment on appelle ça vous êtes en train de revoir l'ensemble du plus saint-oranais. Est-ce que cette petite parcelle-là, qui est toujours sur le plus, avec une possibilité de construction de 500 mètres carrés de plancher à 7 mètres de hauteur, ça c'est un fait. Est-ce qu'il serait susceptible de croire que au prochain plus, vous allez déterminer cette parcelle comme étant justement sortie de cette réglementation centre-ville, au niveau de la construction, bien sûr. Je ne sais pas si je me suis bien fait comprendre, Monsieur Job. Bon, Olivier. Merci, Serge Job. Merci, Olivier. Je ne suis pas sûr d'avoir tout compris. Tout d'abord, je ne me suis jamais engagé. La commune, attends, il y a deux parties. Je crois que la commune ne s'est jamais engagée, elle, à rénover. C'est ce que tu as dit tout à l'heure. Non, ce n'était pas ça que tu voulais dire. Olivier Artero. Les nouveaux acquéreurs s'étaient engagés à rénover ce patrimoine saint-oranais et c'est une bonne chose. Cependant, le plus actuel autorise la construction sur ce terrain-là de 500 mètres carrés de plancher à une hauteur de 7 mètres, qui porterait, à mon sens, comme je l'avais dit au dernier conseil municipal, à une valeur immobilière de ce bien à plus de 300 000 euros. C'est irréfutable. Mais j'entends que vous souhaitiez garder ce patrimoine architectural à Saint-Orens. Donc pour ce faire, et pour me sécuriser aussi, est-ce que dans la refonte du plus que vous avez engagé, est-ce qu'il serait possible que cette parcelle-là, particulière de rue de Nazan, puisse être intégrée dans une parcelle d'habitat simple, enfin de maison, vous voyez ce que je veux dire, avec sans qu'il y ait possibilité de pouvoir construire un bâtiment de 7 mètres et de 500 mètres carrés de plancher. Bon, merci. Serge Job. Olivier, tout est possible dans la vie, mais je crois que faire des pétassous d'un tout petit bitonio en plein milieu d'une zone, c'est vraiment quelque chose de très très rare. Je comprends le fond de ta pensée. Je répète ce que nous avions dit la dernière fois, et c'est quelque chose que tu partages, parce que tu l'as dit également, c'est que nous souhaitons conserver cette lauragaise. Toi, tu voudrais qu'on aille au-delà et que lors de la révision du prochain PLUIH, on considère que cette parcelle de 1000 m², elle soit que plus personne ne puisse y toucher, quoi, en quelque sorte. C'est ça. Sur 5-6 ans, etc. etc. Nous n'en voyons pas pour l'instant l'intérêt.
Bon, ces personnes se sont engagées. Ces personnes se sont engagées à rénover totalement cette maison. Il m'arrive de faire confiance à un acte notarié. Donc, juste en complément de la réponse de Serge, donc j'ai dit en introduction sur mon introduction métropolitaine que le PLUH était annulé. Et je vous ai dit aussi que le 29 avril, il y allait avoir une audience. Et à l'issue, il y aura une date d'exécution. Aujourd'hui, ce que la métropole a demandé, c'est une exécution à 3 ans. Ça veut donc dire que quand vous dites qu'il va y avoir une refonte du PLU, en fait, tout dépend de la date à laquelle le PLUH va être annulé. Nous, on espère que ce PLUH va être annulé suffisamment tard, si ce n'est pas 3 ans, mais suffisamment tard pour qu'on ait le temps de travailler sur un autre PLUH qui, évidemment, corrigera les erreurs diagnostiquées par le juge et qui viendra prendre la suite du PLUH que l'on a voté. Donc ça, c'est sur le plan réglementaire, sur le plan de cette annulation du PLUH au niveau du tribunal administratif. Ensuite, il y a une volonté politique de garder cette Lauragais et qu'on ait pu tirer 300 000 euros de cette parcelle si on avait accepté d'y faire 7 ou 8 collectifs, probablement. C'est un choix politique de ne pas mettre en quartier pavillonnaire du collectif. Donc on a retiré cette option. C'est aussi politique que de décider de ne pas y mettre, comme vous l'aviez envisagé lorsque vous étiez en situation de gouvernance, uniquement des logements sociaux, avec une décote qui faisait qu'à cette époque-là, vous envisagez de le céder autour de 150 000 euros. Donc il y a 3 politiques publiques qu'on aurait pu porter, la vôtre qui se défendait, qui visait à mettre là quelques logements sociaux, la nôtre qui vise à conserver la Lauragaise et à le vendre au prix que ça vaut, compte tenu des probables 200 ou 300 000 euros qu'il va falloir mettre pour le rénover, et qui est le prix d'estimation des domaines, et puis une politique publique qui aurait voulu essayer de tirer le maximum de cette parcelle. Ou une autre 4e politique publique, qui aurait pu dire, dans quelques années, nous allons travailler dans le PLUH pour faire en sorte de faire je ne sais quoi qui aurait fait que plus tard, on aurait pu faire autre chose. Donc, tout cela est intéressant, on est là pour en débattre, mais oui, on assume ce choix de politique publique de ne pas mettre là que des logements sociaux, de ne pas mettre là que du collectif, avec ou sans logements sociaux, et de préserver la Lauragaise, à ce prix-là, qui est le prix du marché d'après nous. Olivier Artero. Oui. Pour votre information, c'était une résidence pour personnes âgées qui devait être... ce lieu était destiné à ça. Mais nous portons un projet, comme vous le savez, de résidence senior, mais pas à cet endroit-là. Est-ce qu'il y a d'autres questions, remarques sur cette délibération ? Aude Limo Préceptis. Merci Madame le maire. Juste une question technique. Par rapport à la cession de la parcelle, il me semblait avoir compris, et c'était un échange que nous avions eu sur un conseil municipal il y a quelques mois, à propos justement de l'étude des domaines. Est-ce que l'avis des domaines ne tient pas compte de l'objectif et de la destination du produit, entre guillemets, étudié ? À savoir que dans la mesure où là, il s'agissait d'en faire un restaurant et là, une habitation personnelle, principale, je crois, d'ailleurs, et privée, quel est donc le nouvel avis des domaines rendu sur... Merci, votre question est claire. Serge Jop. Non, je pense que la réponse le sera autant. Avant, oui, effectivement, les domaines tenaient compte de la destination. Mais depuis un certain temps, et nous l'avons appris à nos dépens, avec la Villa Masso, les domaines ne tiennent absolument plus compte de la destination finale. Donc les 155 000 qui est le prix d'évaluation sont le prix proposé par les domaines. Merci Serge. Y a-t-il d'autres questions sur cette délibération ? S'il n'y en a pas, je vous propose de la voter. Donc la délibération 20, qui est contre, qui s'abstient, je vous remercie. Si. Non. On passe à la délibération 21. C'est Agnès Mestre qui la présente. C'est l'adoption de la charte d'esthétique des enseignes en cœur de ville et participation aux frais d'installation d'enseignes en cœur de ville. Agnès, c'est à toi.
Merci, Madame le maire. Donc, suite à l'adoption du règlement local de publicité intercommunale de Toulouse Métropole, adopté le 11 avril 2019, la municipalité mène une politique d'harmonisation des enseignes des commerçants situés en cœur de ville, précisément entre le 31 et le 46 avenue de Gameville. À cet effet, une charte de l'esthétique des enseignes commerciales en cœur de ville a été élaborée afin de guider les professionnels dans le choix de leurs enseignes et de répondre aux enjeux de redynamisation du centre-ville et de son attractivité. Il est proposé au conseil municipal de l'adopter. Donc vous avez la charte en annexe. Il est également proposé de participer aux frais d'installation des enseignes commerciales en cœur de ville à hauteur de 50% du montant, avec un plafond de prise en charge par la commune de 1 000 euros, selon les modalités ci-après définies dans l'article 2. Donc si tel est votre avis, vous voudrez bien adopter la délibération ci-après. Merci Agnès. Des questions ? Oui, Béatrice Delpy, on vous écoute. Merci Madame le maire. Juste avant de vous demander des précisions sur cette délibération, je voulais réitérer la demande de Sophie Bareil en début de séance pour nous traduire, mettre une légende concernant les sigles et les abréviations de vos documents, s'il vous plaît. Là, je réponds aussi comme tout à l'heure, mais je le comprends que vous insistiez, vous avez raison, mais simplement la première ligne, suite à l'adoption du règlement local de publicité intercommunale. Donc c'est en toutes lettres, on s'efforce quand même de le mettre en toutes lettres. Vous le voudriez comment ? Là, je parle de l'ensemble des documents. Il y a beaucoup de sigles, beaucoup d'abréviations et qui ne sont pas traduites. D'accord. Merci. Alors je voulais vous interroger par rapport à cette charte. Qui décline les typologies d'enseignes, les enseignes des conseillers, etc. Mais par contre, je ne vois pas où figure dans cette charte l'encouragement à l'installation, notamment pour les enseignes lumineuses, d'énergie basse consommation, donc des LED, fluo compact. Donc je voulais avoir... des précisions. Et d'autre part, je voulais savoir également concernant l'application de l'extinction lumineuse de ces enseignes existantes, si elle était bien respectée à ce jour, c'est-à-dire l'extinction entre 23h et 7h, en sachant qu'il y a effectivement... une heure de plus après fermeture et une heure avant la réouverture, selon l'article P22 du RLPI, donc qui est le règlement local de publicité intercommunale. Je donne quelques éléments à madame sur le RLPI qui n'inclut pas d'encouragement à la consommation lumineuse, parce que ce n'est pas l'objet... de ce RLPI. Par contre, à côté de cela, nous portons, nous, une politique publique en la matière. Et donc, j'ai un courrier qui est à ma signature, destiné aux commerçants de la commune, pour à la fois les encourager à, un, respecter, parce que vous avez raison, certains ne respectent pas du tout la réglementation. Donc, on va, dans la période actuelle, qui est quand même pas simple pour eux, ne pas tout de suite les sanctionner. Mais par contre, il va y avoir une lettre qui va leur arriver d'ici quelques jours pour aller dans le sens que vous appelez de vos voeux. Ensuite, il y a toute une réflexion, et je vais donner la parole à Jean-Luc Dupressois pour mener une réflexion visant à... Attendez, laissez-moi finir avant de me dire que vous voulez me répondre. Et donc, une réflexion qui est conduite visant à baisser l'éclairage public et encourager nos commerçants à baisser l'intensité lumineuse. Donc, il y a deux choses. Il y a le respect de la réglementation sur les horaires et baisser l'intensité lumineuse. Donc, un, ce n'est pas l'objet du RLPI, c'est pour ça que vous n'y voyez rien là. Deux, on souscrit à votre propos, puisqu'on l'a même anticipé et qu'on y travaille depuis déjà plusieurs mois. Un courrier, ma signature, et un travail plus large que les commerces eux-mêmes sur l'éclairage public visant à voir comment les Saint-Oranais prendraient une politique publique qui soit, qui fasse qu'à quelques heures, on éteigne les lampadaires publics, visant à ce qu'on les réduise en intensité, etc.
Alors, je vous écoute, puisque vous semblez vouloir rebondir. Béatrice Elpi. Oui, je voulais juste préciser, Madame le maire, qu'effectivement, la délibération a été votée au Conseil Métropole le 11 avril 2019, prenant effet le 29 septembre 2019. Donc, je m'étonne qu'à ce jour, on voit encore des enseignes qui soient illuminées la nuit. Vous étonnez, Colette Crouzeil. Alors, ils ont un délai pour mettre en application de 6 ans, donc ça ira en 2025 pour l'obligation. Merci. Tu veux dire quelque chose, Jean-Luc ? Non, c'était la même chose qu'on voulait dire. Non ? Complété, tu fais du boulot là-dessus quand même. Jean-Luc Dupressoir. Merci, Madame le maire. Oui, juste pour compléter, c'est un travail de fond qui est réalisé avec les agents. Un, sur les enseignes lumineuses des commerçants, sur lesquelles, effectivement, il y a un courrier qui est en cours de préparation pour accompagner cette démarche plus vertueuse, même si elle est sanctionnable, effectivement, dans des délais assez courts. Et d'autre part, on mène aussi une réflexion avec le SDEG, notamment sur la diminution de l'éclairage public, notamment sur certains quartiers, en différenciant les quartiers des axes principaux, de façon à pouvoir à terme consulter la population et avoir leur position sur leurs souhaits par rapport à des extinctions possibles et probables entre 23h par contre et 6h du matin à adapter en fonction de ce que voudrait la population de Saint-Aurens. Merci Jean-Luc. Y a-t-il d'autres questions, remarques sur cette délibération ? Je rappelle qu'on est sur la délibération 21 qui a été présentée par Agnès Mestre, qui vise à adopter une charte d'esthétique des enseignes. Pas de questions, on peut la voter. Qui est contre ? Qui s'abstient ? Je vous remercie. On passe à la 22, c'est Serge Jop qui la présente. Et donc il s'agit de l'adhésion à la SPL, Agence Régionale de l'aménagement et de la construction Occitanie, c'est la SPL ARAC. Donc c'est Serge Jop, on t'écoute. C'est Jean-Pierre qui est proposé, hein, pour siéger à la SPL un peu plus à droite. En bas à droite. À droite là-bas. Il y a les noms en blanc, il faut dire, ouais, c'est ouais. Jean-Pierre. Bon, c'est Jean-Pierre, d'accord. Parce que l'aménagement, c'est... Et il est d'accord, m'a dit Monsieur Gus. Il est d'accord. Allez, ok. Bref, la région Occitanie a créé le 1er juillet 2011 la société publique locale MPC, qui signifie Midi Pyrénées Construction, devenue en mars 2020 la SPL ARAC, Agence Régionale de l'Aménagement et de la Construction Occitanie, dont l'objet est la réalisation d'opérations d'aménagement. Conformément à l'article 2 de ses statuts, cette SPL a pour objet exclusivement pour le compte de ses collectivités actionnaires et sur leur territoire de procéder à tous les actes nécessaires à la réalisation des actions ou opérations d'aménagement au sens de l'article L301 du Code de l'urbanisme. De procéder à la réalisation d'opérations de construction permettant notamment la mise en œuvre des politiques de renouvellement urbain, de l'éducation, des transports, de la valorisation du territoire, du tourisme, ainsi que tout autre domaine intéressant le développement économique et social local des territoires. D'entreprendre toute action foncière préalable et ou nécessaire à la réalisation des opérations d'aménagement et de construction sus-indiquées. De procéder à toute mission d'ingénierie, de projet se rapportant à des actions ou opérations d'aménagement et ou de construction indiquées ci-dessus. Elle pourra, dans ce cadre, conduire toute étude, notamment de programmation, de faisabilité, préopérationnelle ou opérationnelle nécessaire à la mise en œuvre de ces projets. D'exploiter tout service public à caractère industriel ou commercial ou toute autre activité d'intérêt général qui sont l'aboutissement des projets dont elle aura préalablement assuré l'aménagement, la construction ou l'ingénierie. À cet effet, la société pourra passer toute convention appropriée et effectuera toute opération mobilière, immobilière, civile, commerciale, industrielle, juridique et financière
se rapportant aux objets définis ci-dessus. Elle pourra réaliser de manière générale toutes les opérations qui sont compatibles avec cet objet et qui contribuent à sa réalisation. Cette délibération a pour objet l'adhésion de la SPL ARAC Occitanie. Cette délibération a pour objet l'adhésion à la SPL ARAC Occitanie et le rachat par la commune à la région Occitanie de 10 actions à leur valeur nominale, soit 1 000 euros, 100 euros l'action. Si tel est votre avis, etc. La personne désignée pour représenter la commune de Saint-Aurens de Gaméville au conseil d'administration est Jean-Pierre Godefroy. Merci Serge. Y a-t-il des questions sur cette délibération qui concerne l'ARAC ? Pas de questions. Je vous propose de la voter. Qui est contre ? Qui s'abstient ? Deux abstentions. Et donc, je vous remercie. Nous avons terminé avec le conseil municipal, mais nous avons une communication majeure à vous faire. Parce qu'on a des élections qui arrivent à vitesse grand V. Il vous a pas échappé qu'il y avait deux élections concomitantes, qu'il nous faut tenir le double de bureaux de vote. Et donc Jean-Luc Dupressoir, qui est notre élu aux affaires générales et donc aux élections, nous avait demandé de bien vouloir vous faire patienter pour qu'il vous explique comment on voit les choses et on a besoin de vous, tous. Jean-Luc, c'est à toi. Bon, merci Madame le maire. Donc vous avez presque tout dit Madame le maire. Cependant, je vais être très bref sur cette communication qui est importante. Comme vous le savez, les débats se sont tenus aujourd'hui devant l'Assemblée nationale. Les maires ont été consultés ce week-end et il semblerait donc que l'avis, on s'oriente vers un maintien des élections départementales et régionales aux dates qui, à ce jour, s'orienteraient plutôt sur le 20 et 27 juin, après décret ministériel. Alors, si ce maintien est bien confirmé et aux dates précisées, nous, c'est-à-dire les élus de la majorité, mais également de la minorité, devront tous être mobilisés sur la tenue des bureaux de vote, soit en tant que président, soit en tant qu'assesseur. Donc cette année, nous allons organiser deux élections en même temps, ce qui implique par conséquent une participation de tous, car cela suppose la tenue de 24 bureaux de vote, et donc de doubler le nombre traditionnel de président, donc 24, et le nombre d'assesseurs qui, au minimum, devrait être porté à 48. Donc vous voyez, on a besoin de tous les effectifs. Aussi, il est extrêmement important que chacun d'entre vous soit disponible sur ces deux dates, donc le 20 et le 27 juin. Aussi, je vous demande de bien vouloir les inscrire sur votre agenda. Pour rappel, tenir les bureaux de vote, c'est notre rôle d'élu prévu par le code électoral. Nous ne pouvons nous y soustraire. Je vous remercie et reviendrai vers vous pour l'organisation pratique ultérieurement. Merci de votre écoute. Merci Jean-Luc. Et donc, très belle soirée à vous tous. Prenez soin de vous et à très bientôt. Bonsoir.